Oh, un beau jeu en tout cas. Allez, on va passer sur le jeu quand même. Parce qu'on a encore deux trucs à faire. Et merci Pams, merci beaucoup pour ton 21e mois. Merci beaucoup. Ça chiffre, hein. Ça commence à bien chiffrer même, je dirais. Oh, c'est un nouveau jeu ça. Ouais, c'est un tout nouveau jeu, il vient de sortir hier. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Animal Crossing New Horizon. Il est très récent, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent parce que c'est un jeu qui est pas trop connu du grand public. Et pour l'instant, il n'y a que genre 10 jeux qui ont été vendus. Voilà. Où est ma Crocs? J'ai trouvé ma Crocs. Il a l'air trop bien ce jeu, bah franchement, il est vraiment sympa. N'hésitez pas à l'acheter en mettant mon code. Il n'y a pas de code parce que, bon, voilà. Mon code promo. Goûter, couvrir le jeu avec toi. Alors, ah, pas de soucis, si vous voulez, je vous fais un petit tour de ce que j'ai déjà pu faire depuis hier, finalement, parce que j'ai grave avancé dans le jeu, j'ai grave joué et tout. Merci, Sissi, et merci, Tamish, merci beaucoup pour vos follow. Alors, je crois que Horizon Zero Dawn, ouais, c'est ça, le plus précédent, ouais. T'es la bêta testeuse, ouais, c'est ça. On est 10 bêta testeurs dans le monde, c'est pour ça. Alors, si vous voulez, là, voilà, on a un aéroport. T'arrives ici, à l'aéroport, et après, tu fais ta petite ville. Tranquille, tu décores. Voilà, là j'ai cueilli tellement de fleurs, j'ai pu les mettre au sol. Ça se voit, de toute façon j'en ai mis beaucoup, 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 beaucoup. Que des petites fleurs blanches évidemment, vous voyez bien. Après j'ai planté des arbres, j'ai mis des lapins. Donc ça c'est des vrais lapins qui vont venir dans ton sommeil et faire miou 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 dans tes oreilles. Il y a des éoliennes qui régénèrent toute l'électricité de la ville. Voilà, ici t'as une place. Ça sort quand? Bah écoute, pour l'instant c'est pas encore annoncé officiellement. L'arrêt au port, exactement, c'est l'arrêt au port, au cochon. C'est l'arrêt au cochon. Voilà, donc tu peux mettre tes petites maisons où tu veux, en écrasant bien toute la faune et la flore qui est présente à ce moment-là. Voilà. T'as aussi des parcs d'attractions, tu peux monter dans la grande roue et tout, tu peux faire des tours de petits carrousels et tout, c'est trop cool. Voilà, voilà, voilà. Ah, vous voyez pas sur TikTok? Pourquoi vous voyez pas? Oh, désolé, attendez. Oh! Attendez, bougez pas. Pourquoi vous voyez pas, vous, mes pauvres? Vous avez pas de chance? Ah! Peut-être que j'ai fait bugger Twitch, là. Ah, voilà. J'ai fait bugger Twitch. Attendez. J'ai dû faire un petit truc pour TikTok et ça a bugué. C'est bon, parfait. Merci. Heureusement que vous êtes là pour me dire. Je sais pas pourquoi c'était tout noir, l'écran. Ok, alors. C'est ça. Je suis trop belle comme ça, franchement. Oh, putain, c'était mieux avant, je pense. J'aurais dû remettre comme avant. Voilà. Il coûte combien le jeu? Le jeu, il coûte 3 euros. Voilà. Il coûte 3 euros. Voilà, merci TikTok. Heureusement que vous êtes là. Hein. Perfect. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Bonjour à vous. Voilà, 3 euros, c'est pas très cher, ouais. Pour l'instant, c'est parce qu'en fait, il est pas fini, tu vois. Il manque plein de trucs. Il manque genre des bâtiments. Il manque des trucs et tout, donc... J'adore le principe de déforestation. Ouais, c'est ça, en fait. Le but, en fait, c'est de tout déblayer. Arrête-toi les conneries. T'imagines? Le but, c'est de tout déblayer. Dispo sur quelle plateforme de prévu, du coup? C'est disponible sur Nintendo DS. Sur PSP. Et sur PlayStation 1. Sur l'Early Access, ouais. Donc, des voitures que l'on peut conduire, ils vont rajouter. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est-à-dire qu'on peut pécho un crush, ouais. Je pécho un crush, mais pour l'instant, je suis la seule humaine, donc je vais éviter de pécho des animaux, parce que c'est un peu bizarre. Voilà. Et sur Nokia... Ah oui, Nokia 3310 aussi, j'oublie, comme plateforme. C'est ça. Pourquoi je m'assois? Nokia 3310, c'est vrai. Merci Altis, merci pour ton follow. Et merci pour tous vos follow d'ailleurs, au passage, avant. Merci Annie, merci Chico, et merci Mister Carotte. J'espère que vous allez bien. T'as un code promo? Ouais, j'ai un code promo qui vous permet d'avoir le code gratuit. Le chat est trop beau sur le site que je vous mettrai prochainement. Voilà. Le jeu fonctionne sur le four. Ouais, le jeu fonctionne sur le four. Tu peux jouer sur ton four. Ouais. Ouais. Il sort aussi sur Virtual Boy en 2069. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Sur micro-ondes, ça dépend lesquels. Sur les frigos Samsung aussi, ouais. Mais les micro-ondes, pas tous. Il y en a oui, il y en a non. Windows 7, non. Mais Windows XP et 98, ouais. 97, non? Je sais plus. J'ai voulu faire une blague, je me suis perdue dans ma blague. Bref. Voilà, 98, c'est ça. 95. Voilà.
Sur Switch, non. Non, parce que la Switch, c'est une console qui n'existe plus depuis 1930. Donc, tu comprends, ça marche plus dessus, quoi. Elle est un peu vieille, si je peux me permettre. Voilà. Je sais même plus ce qu'on avait fait la dernière fois, en vrai, je vous avoue. On avait continué à faire cette zone-là, je crois. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu à avancer. Alors, je sais plus par où on va passer, mais... Enfin, où on va aller décorer. Faut qu'on regarde, faut que je regarde ce qui m'inspire ou pas. On va déjà récupérer l'entrepôt parce qu'on va en avoir besoin. Ici, il faudra qu'on rajoute quelques petites fleurs. Old gen, carrément. C'est terrifiant. J'ai vu qu'ils allaient sortir une nouvelle marque avec des pommes. Ah ouais? Parce que les fruits et légumes sont hyper tensés. Tensés? Hyper tensés? C'est-à-dire quoi, tensés? Merci pour de la boire. Moi, je regarde le live sur un panneau solaire. Ça fait des économies. Vous avez vu ma story d'hier? D'hier soir? D'avant-hier soir? Vous l'avez pas vu? Fou rire. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne me suivent pas sur Instagram, bah c'est une honte. Allez me suivre sur Instagram. J'ai reçu une demande de partenariat pour des panneaux solaires. Je joue Animal Crossing. J'ai aussi une demande de partenariat pour des panneaux solaires. Ils se sont dit, ah, elle a des éoliennes sur son île, c'est hyper, vraiment, je te jure. J'ai pas compris. J'ai bugué, j'ai dit, non. Tu sais, je me dis, bah attends, je regarde directement le lien du site à la place de lire tout le blabla en anglais. Je clique sur le site et je vois vraiment, genre, gamme de panneaux solaires. Et j'étais là en mode, mais... Je comprends pas. Oula, la capture, elle a bugué, je crois, du jeu. Genre, vraiment, j'ai pas compris. Enfin, c'était tellement... bizarre, genre. D'ailleurs, je vous avais dit, j'ai reçu un mail de sponsor, de Evian. Mais le mail, il est trop bizarre. Genre, on dirait clairement hein, une fausse adresse mail. Il n'y a aucune photo. Le mail, il est trop louche. Donc, je pense que c'est un faux truc. Je suis un peu deg parce que Evian, franchement, j'aurais grave fait la sponsor. C'est mon eau préférée, l'Evian. Voilà. Avant, c'était Cristaline. Et puis, depuis quelques années, maintenant, c'est Evian, mon eau préf. Du coup, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé, en vrai, mais... C'est en anglais et tout. Je me dis... Evian, c'est un truc français, non, globalement? Kathleen. La fameuse Cristaline. La fameuse... Dit comme ça, c'est juste bizarre du coup maintenant. Je suis un gros Staline dans le chat. Un peu bizarre. Un peu louche. Attention, hein. Faut passer en suspect, hein. Viens là. Petit côté coucou, ça. Putain, ce con. J'avais pas pris les trucs ici, non. J'ai pas pris les. Il faut ça. Oh, pardon, je baille toujours. Et bien avec le bébé dans la cave d'à côté. What? Moi, je me rappelle de la pub Evian avec les bébés qui faisaient du roller. Mais je crois que ça avait fait un peu scandale, non? De comment la pub avait été tournée et tout. Enfin, un scandale où ça avait fait le buzz, justement, mais un bon buzz. Je sais plus comment c'était tourné. Je crois qu'il y a pas mal d'étudiants en communication qui étudient sur ce sujet-là, mais je sais plus ce que c'est. Oh, Axou, coucou, comment ça va? Oh non, Nera! Pas cool. Ça gaze. Putain, ça gaze. Tu as déterré des fossiles. Parfait, j'adore les fossiles finalement. C'est peut-être parce que ça dit qu'il faisait toujours chaud chez toi, les panneaux solaires, ça peut aider, non? Mais c'est à l'intérieur qu'il fait chaud. Le soleil il tape pas à l'intérieur, je crois. En vrai, c'est un peu marrant. Je sais pas comment ils sont arrivés jusqu'à moi. C'est un rendu bébé. Ah, mais oui, c'est vrai, il y avait un truc comme ça. Tout ça pour un ourlet de pantalon. Ah, putain. Sacré pantalon, celui-là encore, hein. Bon courage pour ton ourlet, en tout cas. Bon, faut qu'on trouve quoi meubler ici. Enfin, quoi mettre. Quoi meubler. Oh, oui. Debout, ma grande. Ça sert à rien de bailler là.
Hop. Ils ont entendu côté sous les toits, ils se sont dit bon, c'est notre chance. Mais en anglais, ils ont jamais compris. Toutes les marques qui me contactent pour des trucs un peu louches comme ça, c'est que des trucs en anglais. Genre, ça donne pas du tout envie de répondre parce que tu comprends. Enfin, c'est quand une marque te démarche pour une sponsor, en général, t'aimes bien quand c'est en français, t'aimes bien comprendre ce qui est écrit, quoi. Donc, un minimum d'effort est demandé, quoi. C'est ton toit, donc la chaleur, ça rentre par le toit. Oui, mais c'est pas mon appart. Enfin, je suis locataire, tu vois, je suis pas. C'est pas moi qu'il faut contacter pour des panneaux solaires, tu vois. J'aurais ma maison encore, tu vois, j'aurais fait un room tour de ma maison, de mon appartement. Là, peut-être qu'on aurait pu faire un truc, tu vois. Et encore, appartement en général, c'est dans un immeuble, enfin dans un bâtiment où il n'y a pas que toi, donc. J'aurais pu comprendre si j'avais fait un room tour de ma maison, tu vois. Je suis pauvre, donc. Bon. Prendre quelque chose. Allez, on va prendre notre truc. En plus, oui, de dos, donc vraiment, plus je vais déménager, donc. Pas très utile, quoi. C'est. On n'en est pas le plus utile possible. La semaine dernière, j'ai vendu. Ah ouais, la vache, courbe décroissante, j'avais le seum. Ah putain, c'est vrai. Moi, j'avais un taux à 300 là dans mon let's play de. Dans mon let's play de samedi là. J'avais un taux de navet à 300 vendredi du coup. C'est assez fou en vrai. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un taux aussi élevé. Je suis sûre que c'est Cédric qui a appelé. C'est ouf en vrai, 300, c'est un bon temps. Hein. Une sponsor d'enfant, ça veut dire quoi ça? Ça va me faire des gros pâtés sur les lèvres, mais j'ai trop mal aux lèvres, donc... Lucie, pitié, non. Salut Nao. Non, c'est pas celle-ci, mais on y va après sur l'île 100%. Et d'ailleurs, demain, on stream ensemble, normalement, avec Arvandor. Demain, c'est re le stream duo 100%. Voilà, si jamais, normalement. On s'était dit à lundi. Voilà. Donc, c'est cool. Et d'ailleurs, j'étais avec lui, il a rasé l'île. Avec moi après, avec son mode, là, comme ça. Il est à place, que ça, son île, elle buguait vachement, le pauvre. Normalement, il va partir sur une belle base. Avec mon petit copain, c'est beau l'amour, grave. Avec Arvandor, mon petit copain. Grave. Trop mon mec, celui-là. Hein. On est trop follement amoureux, en plus, donc grave. Quel enfer. Ah, pourquoi je peux rien mettre? Je vais trop mettre la table, là. Ça va aller trop bien, mais... C'est le buisson qui fait que ça passe pas? Putain, oui, c'est le buisson qui fait que ça passe pas. Bon, on va l'enlever, tant pis, hein. Pas dire à Dolly. Non mais t'inquiète, Dolly, elle était là. Elle sait. Elle sait, c'est ma femme, je lui dis tout. C'est ma femme, je lui dis tout. Coussin chrysanthème. On va juste tourner ça comme ça. Je suis pas sûre de ça. Et là, Dolly arrive. Bah, ma femme, elle sait tout, hein. C'est trop ma femme. Donc, vous savez, ma femme est omnisciente, hein. Elle a un grand cœur. Elle peut bien le partager, bien sûr. Bah, normal, j'ai envie de te dire. Vous êtes placé plutôt la table par là-dedans. Zoé, regarde pas ce que je vais faire. J'ai même rien pour le faire. Salut, coucou, je suis là. Comment ça va? Bah, c'est pour ton follow. J'ai envie de faire pipi. À 16h, j'irai me faire pipi et j'irai chercher un petit goûter. Ah, ma femme. Coucou, ma femme. Trop belle, ma femme. Ah, bah voilà, Claclou, la vaisselle qui t'attend. Elle a l'air assez... Voilà. Tu iras faire pipi? Non, non, pas me faire pipi, j'irai faire pipi. Ça va, Jade, nettoie, comment tu vas? Ma femme, en fait, elle est omnisciente, elle sait tout, je vous ai dit. Dès qu'on parle d'elle, elle arrive. On m'a appelé, oui, on a parlé de Tom, ma femme. Le chat disait que demain, je serai en live avec mon petit copain.
Et du coup, il disait, mais Dolly et tout. J'ai dit, mais ma femme, elle sait tout, ma femme. Elle le sait déjà que c'est mon petit copain. C'est ma femme. C'est tout, ma femme. Bah ouais, ma femme. Bah, Arvandor, ma femme. Mon petit copain, quoi. Qui d'autre, ma femme? Les monogames de Francis qui sont... J'ai pleuré de rire. Elle fait genre, hein, c'est qui alors qu'elle sait très bien. Ma femme, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Oh, ma femme, tu m'avais dit oui la dernière fois, donc arrête de retourner ton gilet, là. Ton gilet. C'est même pas les bonnes clôtures que j'ai prises. Ma femme, t'avais dit que c'était... Ma femme. Ma femme, moi, je dis rien quand t'as plusieurs amoureuses et amoureux, hein. Bref. Rangé, c'est pas les bonnes... ton gilet. Je sais pas. C'est le premier mot qui m'est venu à la place de veste, donc voilà, bah, j'ai dit gilet. Arrête de retourner ton gilet. Quels amoureux et amoureuses même. Bah, il y a Linux, il y a Alex, il y a Voli, il y a Lolo, il y a Clarelia, il y a Nefert, il y a Lox, il y a Roulia, il y a Sheima, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, ma femme. Et... Alors c'est totalement faux. Pourquoi tu mets trois petits points comme si t'avais des trucs à te reprocher? Je sais pas, trop bizarre. Et vas-y, j'en ai pas assez. C'est pas grave, on mettra les végétales. Voilà, hein, ça fait beaucoup. Et pourtant, je dis rien pour cette personne. Hein. Moi, ma femme. Mais moi non plus, ma femme. C'est juste que j'ai un petit ami, quoi. Vous me réveillez de ma sieste. Bah quoi, Rouleau? Je comprends pas. Le divorce, ça va pas ou quoi? T'as vu, ma femme, ce qu'il dit? Nico, il est zinzin, lui, hein. Croit-on, on va divorcer, genre. Je sais, Nico, que t'es amoureux de Dolly et tout, mais faut arrêter, en fait, c'est ma femme. Sauf si Dolly, elle t'aime, dans ce cas-là, ok, pas de soucis, mais c'est ma femme en attendant, donc t'arrêtes. Ah, c'est ton pote, mais en plus petit, quoi. J'ai compris. Ouais, c'est ça. Bah, c'est mon petit copain, quoi. Alors, attendez. Log, j'espère que t'as bien enlevé et décoché le truc qui dit que c'est à la une. Pitié. J'en ai marre d'avoir des clips de moi qui parlent de pipi, de caca ou de prout en épinglé de ma chaîne Twitch. Pitié. Oui, je décoche, merci. Son pote de poche, quoi. Bah voilà, quoi. Des petits copains, quoi. Comme ma femme, c'est ma petite copine. On va pas se divorcer, vous êtes fous. Bête de fou, t'as vu comme ils sont trop méchants. Ils veulent trop qu'on divorce, ils sont trop zinzin. Trop ma femme, toi. C'est normal qu'on doit attendre une semaine. De quoi t'as qui? Tu me parles de quoi? Merci pour ton follow et salut Clara aussi, bienvenue. Salut Miss également sur TikTok, sur Twitch, pardon, que j'avais pas vu. Salut Eva et salut Mia, j'ai pas vu non plus, comment ça va? Vous allez bien les petits zigotos? Et salut eux, comment tu vas? Dolly, c'est ma petite copine. C'est la petite copine de tout le monde, si je peux me permettre. Bah c'est pour ça que je disais ça. Que genre c'était de Roulia, de Sheima, de tout le monde. C'est la petite copine de tout le monde, ma femme. Voilà ce que je disais. Je comprends pas, ma femme, en fait. Ah oui, c'est vrai, putain, attendez. C'est vrai, on avait passé tout à l'heure au début du live et Lolo, je crois qu'il l'a pas repassé en normal. On avait passé le chat. Alors, bougez pas. En une semaine de follow, c'est bon. On est plus saoulé, du coup, on peut le remettre normal. On n'avait pas repassé. C'est bon, normalement. Ouais, ça va bien, merci. Ça va, ça va. Je chercherai quoi? Ah, mais des chaises, des tabourets. L'oubli, vraiment l'oubli depuis tout à l'heure. Personne ne peut parler. C'est terrible. Merci, Lexo, pour le bois de l'eau. Ma femme, arrête de dire ça! T'es trop une menteuse! En plus, tu sors avec l'autre, regarde! Merci, ma femme, pour tes bits. Ma femme, arrête de dire que je te trompe. Ça va pas ou quoi? Tu me fais passer pour une femme horrible! Alors, je suis trop une femme gentille! Lox, c'est 10 choses! C'est pas moi qui ai dit, hein. Je suis désolée, Lox. Promis, c'est pas moi qui ai dit.
Oh, la taupe grillon qui grillonne dans nos oreilles, là. Pourquoi il n'y a pas eu l'alerte, ma femme, de tes buts? Pourquoi il n'y a pas eu l'alerte? La dispute, la dispute. Arrêtez, on se dispute pas, on s'aime, là. On est en train de trop s'aimer, du coup, c'est pour ça qu'on est trop... Voilà, comme ça. Merci, Anna, pour ton follow. Et salut, Amandine. Baston, baston, bagarre! Bah, Miss, c'est parce que t'as pas augmenté ta maison. Normalement, le débarras, t'es pas censé l'avoir avant que t'aies augmenté tout le stockage de ta maison. Enfin, tous les étages de ta maison et le stockage. Donc, si t'as que 120, c'est que t'es au tout début du jeu et que t'as... Enfin, que quelqu'un a dû te donner le débarras ou que tu l'as eu de manière pas très légale. Et qui fait que, du coup, tu n'as pas de place dans ton entrepôt. Enfin, dans ton débarras. Qui est ton entrepôt, finalement. Et pour avoir plus de place dans ton débarras, qui est l'entrepôt, il faut que tu augmentes ta maison. Sinon, le stockage de la maison n'augmente pas et le débarras non plus. Voilà. Si jamais. Salut Nezuko, salut Mona Lisa, comment ça va? Vous me permettez, j'ai chaud sa mère. Je vais ouvrir ma fenêtre en grand. Oh la chaise, hein. Open la fenêtre, chaud. On te fait de l'enfer. Ah, de l'effet. On me fait de l'enfer, apparemment. Ah bon? De l'enfer, carrément. Les mots sont durs. Hein. Je n'aurais pas osé dire ça, franchement. Avec plaisir, coucou. Désolé, on avait oublié, en fait, que c'était là. My bad, hein. Sorry, mes amis. Quel enfer, ce chat. C'est ma femme, elle est trop ma femme. Bref, ma femme STP reste ma femme à moi et cesse d'aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Ça m'arrive jamais, ça, t'es vraiment une menteuse. Parce qu'elle l'est pas. Je suis assez verte. T'inquiète. Ma femme, c'est une très bonne phrase que tu nous as dit là. Elle est superbe. En tout cas, j'espère que ton herbe, elle est verte. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. C'était un buisson déjà fini. C'est beau. Mais t'es rose, Dolly. Ouais, bref, elle ment, mais c'est pas grave. Lolo, il balance. Hein. Après, je dis ça juste comme ça, mais c'est un balanceur. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on met dans le jardin des habitants là? Je sais pas ce que je mets. Prendre quelque chose. C'est moi dans la pub. Dans quelle pub? Quelle pub? Je suis open contrairement à certaines. Un petit point. Elle fait des anges dans l'herbe. Ah, t'as vu, elle était cool, hein, coucou. Elle était pas mal, franchement. Elle était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les jardins des habitants? Déjà, étape numéro 1, s'asseoir. Youpli. Ma cam. J'allais le mettre. Merci, ma femme. Merci bien, ma femme. Je sais pas quoi mettre. Est-ce qu'on mettrait pas des petites clôtures derrière? Elle a pas aimé quand le bureau est descendu, hein, my bad. C'est ce genre de choses qui arrivent, hein, vous m'excuserez. Au cas où vous l'ayez pas bien entendu. Voilà, en espérant que ce soit assez clair. Voilà. Alors, on avait encore des tas de pétales qu'on peut utiliser. C'est pas évident de trouver des trucs à mettre dans les jardins, en vrai. Ça, c'est quoi? C'est un grand nounours, ça? Ah oui, nounours géant. Je sais pas que j'avais ça. Je vais prendre encore quelques petits vélos. Des petites caisses en bois. Ah, mais j'ai plus de place. Super. On va déjà poser ça. C'est l'heure du goûter. J'ai envie de faire pipi, en plus. Ça va être pas trop. Ma femme, regarde ce que je viens de retrouver. C'est ton cadeau. Trop ma femme, toi. Ma femme. J'allais faire pipi, j'avais dit que j'allais faire pipi. J'allais faire pipi. Il est 16, vite, go faire pipi. J'allais faire pipi. Je vais vous mettre la petite musique de pause et tout. J'espère que vous allez chanter et l'apprendre par cœur, hein, parce que c'était compliqué à la créer, hein, cette beauté. J'allais me chercher un petit truc à goûter. Je sais pas ce que j'aimerais en mettre. Bon, j'ai une petite madeleine, comme d'hab, tu sais. D'aller cuisiner, car la cuisine est vide à cette heure. Et bah, bon appétit, Marvin.
J'ai pensé comme aussi, mais j'avais plus de place. Donc peut-être après, je vais regarder. Bon, je vous mets la pause vite fait, je vais juste faire pipi, chercher un petit truc à manger et j'arrive. Prenez votre goûter en même temps, allez chercher votre truc à manger. À tout de suite. Dansez bien. Les messages gênants, gardés pour toi. Sur les viewers, ne fais pas de loi. Un message supprimé, on le repostera. Respecte ça et ça ira. Utilise les points de chaîne à la bonne heure. N'embête pas les autres streamers. Casse pas les couilles, sois sourd. Sur le stream, les ressens pas compliqués. On respecte, toi laisse pas mon garde ça pour la fête. Pas de compliments physiques. Sois respectueux, c'est classique. Les messages gênants, garde-les pour toi. Sur les viewers, ne fais pas de loi. Un message supprimé, on le reposta. Respecte ça et ça ira. Ouais, ouais, ouais! Et merci aussi pour ton 8e mois de sub en fait! Merci Juju pour le follow! Merci aussi pour les 8 mois, c'est déjà énorme! Non, c'est trop mal passé, Lox! Trop, trop mal passé, mon pipi! Waouh! Trop bien, Eva, la chanson! Merci! Recoucou à ceux qui nous rejoignent! À ceux qui nous rejoignent! Pas mal, pas mal! Me tue vraiment, comment ça peut mal se passer? Vraiment, je sais pas. Oh, c'est vrai, Zorua, c'est beau. J'ai même pas vu. Et merci beaucoup, Charline, pour ton 4e mois. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Bah, je m'inquiète pour mes amis, c'est une preuve d'attention. Ouais, mais comment tu peux faire que ça se passe mal aux toilettes? Mmh. Alors, bah oui, bien sûr. Je suis trop bête. Ah oui, le train de live, je l'ai même pas vu. Bah, chouchou, quoi, ma femme? Ma femme, elle déclenche le chouchou. Ma femme, toi, t'es vraiment pas ma femme pour rien, si je peux me permettre. Ma femme, trop ma femme, celle-là. Elle déclenche le chouchou comme ça, là. Elle se prend grave pour ma femme, bah, elle a bien raison. C'est ma super femme, voilà. Ma super femme. Trop ma femme, grave. Merci ma femme pour le chouchou et merci aux participants, merci au OC du coup. Et Charline, merci beaucoup. Ta femme après tout, c'est vrai, c'est vrai. Ma femme, vous avez raison. Marie-Lou, on dirait elle est droguée comme ça. Je vais rire. Hop là. Alors. Comment je peux faire? Il fallait de l'espace pour voir. De l'espace pour voir. Il me faut une. De la place pour mettre une table. Je sais pas comment. Et merci Clash à toi pour les 100 bits supplémentaires. Merci beaucoup. Et salut Aria. On va ramasser ça. Et on va. Refaire un cran, je pense. Genre comme ça. Bah là, on va faire un petit jardin pour l'habitant. C'est qui déjà qui habite là? Je sais même pas qui habite là. Je sais plus. C'est Nana.
Ah oui, c'est vraiment plus du tout sa maison, du coup c'est un peu perturbant. Voilà. Et on va juste faire ça. Hop, et puis on va juste pouvoir mettre la table du coup sur le côté. Voilà. Salut Annie, comment ça va? Oh, trop cool ça, FHG pour Cédric. Enfin, pour la vie. Ah, j'aime bien voir ça. Non, mais y'a pas de soucis, Clash Chaton, c'est déjà énorme. Merci beaucoup déjà. Merci beaucoup, t'as un beau petit. C'est comme ça, mais t'as un beau petit arc-en-ciel devant ton pseudo maintenant. Ça claque. Merci beaucoup encore. Pas de soucis, hein, si vous pouvez pas participer au train ou quoi que ce soit, ou pas vous, c'est pourquoi, y'a pas de problème. Hein. Votre présence est déjà énorme. Sachez-le. C'est important de le savoir. Et là, je vais pouvoir mettre le petit tabouret cubique. J'aime bien si les coussins chrysanthèmes, mais ils sont trop à même le sol. Je pense que ça fait un peu bizarre. Et ça, c'est chiant qu'on puisse pas le rapprocher d'une case. Attendez, je vais juste me laver les mains parce que j'ai les mains moites, ça me dégoûte. J'ai les mains moites. Non, j'avoue, je me suis pas lavé les mains après mon pipi. En effet. J'avoue tout. Après, je me suis pas essuyé avec mes mains, quoi. Donc, voilà. Sauf si vous pissez sur les doigts. Moi, non. Pas vraiment. Et les places de tabouret, tu pourrais remplacer par des poufs marocains. Ouais, mais j'en ai plus des poufs marocains. Faut que je recommande. Bon, c'est quoi, on va recommander tout de suite. C'est pas laver les mains. Fait le genre, bande de dégueulasses. Vous êtes tous là à sortir des toilettes, vous lavez jamais les mains. Faites pas genre, Mimi craquera sur nous. Arrêtez ma femme est propre, grave. Il y a grave des gens qui se lavent jamais les mains en sortant des toilettes. Même, genre dehors. C'est encore pire que chez soi. Parce que chez soi, tu nettoies tes chiottes, tu sais comment c'est nettoyer, mais dehors. C'est où déjà? C'est son pipi à elle. Ouais, j'avoue, je peux me pisser sur les doigts. Je pourrais... Non, j'ai... Non. Non, non. Oubliez, c'est horrible. Comment ça s'appelle déjà, vous avez dit? Pouf marocain, hein. Ça me dégoûte, non, non. Oubliez. Oubliez. Alors. C'est vraiment terrible, des fois. Je pars dans des trucs. Faut pas chercher. En plus, je les ai en rose. Bah, ce parfum, on va en commander. Allô. Quand il n'y a plus de savon, on improvise, c'était horrible. Salut Sophia. Mais je viens de me laver les doigts. Enfin, les mains. Pas que les doigts. Arrêtez, vous me dégoûtez. Bande de dégueux. Vous êtes pissé sur les mains. Salut Anto, ça va et toi? J'avoue, Ali, en vrai. C'est toi qui a commencé. Non? Je sais pas ce que vous parlez. C'est le chat qui commence toujours les bêtises. Ah bah, Nico, c'est toi qui dis ça. C'est fou, ces histoires. Ah, punaise. On dit toujours que c'est de la faute de Voli. Ah oui, c'est la faute de Voli, c'est vrai. Moi, ouais, je serai en live demain, hein, bien sûr. Tous les jours de la semaine, moi, je live. Trop bien, Sarah. Trop, trop bien. Salut, Safa, d'ailleurs. Salut, Jade, aussi. Merci un peu pour le follow. Tu me suivais pas déjà? J'aurais juré que si. C'est l'heure de goûter. Bah oui, c'est l'heure de goûter, bien sûr. Merci, Rachel, pour le follow. En fait, l'urine n'a rien de dégoûtant, simplement de l'eau filtrée par les reins. Et les toxines qui vont avec aussi. C'est les toxines qui dégoûtent, je pense. Donc ça, oui. Bon. Au bout d'un moment. Et je me tâte même à mettre un motif, attendez, en dessous, là.
L'odeur surtout, ouais, j'avoue l'odeur aussi. Alors, c'est les toxines qui donnent cette odeur. Hein. Ou pipi. Pardon, hein, on parle de pipi, mais... On a 3 ans, putain, c'est un truc de fou. Hein. Pas de pipi comme ça, on peut plus. Attendez, on va time travel, on va récupérer les poufs marocains. Ce sera mieux, je pense. Ah, trop cool ça, Emma. Trop bien. Ma pire erreur sur Mirabelle. Oh, je sais pas. J'estime pas avoir fait d'erreur pour l'instant sur la construction de l'île ou autre. En vrai, je dirais. Non, je pense. En vrai, je pense pas. Hein. Je pense pas. Environ 4 à 15%, mais elle contient aussi différentes solutés comme l'urée, un déchet d'azoté, sel minéraux, potassium et sodium et quelques autres substances, vitamines et urochromes. Ok, enfin, j'en apprends plus sur le pipi tous les jours. Hein. C'est bon à savoir en vrai, mine de rien. Salut Léa, comment ça va? Ah, coucou Shaima. Trop slay celle-là, mais bref. C'est quoi ton colis que tu reçois, Lolo, aujourd'hui? Chaque compétition, non, putain. Moi aussi, j'ai atteint un objectif, t'as vu? Aujourd'hui, j'ai brûlé 121 calories sur 120. J'ai réussi. On fait... T'as vu, hier, j'ai fait... T'as fait 600, j'ai fait 601. Toujours savoir ce qu'il y a dans notre pipi. Après, il peut y avoir plus de choses dans le pipi, mais ça dépend quoi. C'est bloqué. Ah ouais? Pourquoi j'ai fait 601 alors? J'avais un point de plus que toi hier. Ou 500? 500 et 501? Non, on a fait 600. Ah non, peut-être que c'est ce matin que j'ai vu ça? Ah non, t'as raison, j'ai rien dit. Bah pourquoi moi j'avais vu un 1 en plus? Peut-être parce que c'était ce matin, et donc un jour, enfin un point en plus. Il pense au stack, c'est ça alors? Ok, ok. Mais t'es un tricheur, t'es déjà à 857, je suis qu'à 750. T'as fait 100 points de plus que moi aujourd'hui. T'as l'enfoiré. Bois de l'eau, gouttelette. Merci pour la boire. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du live quand j'en ai parlé, pour ceux qui s'étaient intéressés genre au fait que ma montre elle brûlait là quand elle chargeait, j'ai changé le chargeur du coup et j'ai acheté un chargeur en USB à la place de l'USB-C. Et sur une prise USB, ça fonctionne nickel, ça chauffe pas ni rien, donc je pense qu'il y avait vraiment un souci avec la prise qui recharge rapide en fait. Je pense qu'il y avait vraiment un problème sur ça. Donc c'est bon. En plus, elle recharge plus vite. Donc c'est bien. C'est bien. J'ai des envies de sushis normal. Tous les jours, les sushis. Normal. Allez, j'emballe ça parce que c'est chiant d'avoir autant de trucs là. Hop. Ça, on entrepose. Ça aussi. Hop là. Mais pas trop mal, on est pas trop mal. Pourquoi vous parlez de sushi là? J'en veux aussi. Bah normal. Normal. Mais j'avais oublié, mais je suis vraiment en chaussons dans le jeu. C'est genre une semaine que je suis en chaussons dans le jeu. Mes chaussures, c'est des chaussons. Avec une paire de sockets. Très belle tenue, franchement, non? J'aime bien. Je vais juste aller fermer ma fenêtre parce que je crois que mes voisins, ils sont sur leur terrasse, en fait. Et ma fenêtre, elle donne sur leur terrasse. Donc bon, je vais fermer ma fenêtre, j'arrive.
n'aime pas du tout quand mes voisins peuvent m'entendre, je me sens trop mal. Du coup, je vais aller brancher le ventilateur. Par terre, ici, qui va me ventiler. Je pense que c'est bien. Touchez votre nez. Voilà. Mais non, mais je voulais pas que tu tournes. Putain, je voulais qu'il s'arrête. Mais il fait que tourner. Je te demande d'arrêter de tourner. Ah, voilà. Voilà. Les ramen. Je devais manger ramen hier midi. Et puis au final, on s'est fini au sushi. Donc j'ai mangé des sushis hier midi. Je me suis, mais... régalé. Je vous avoue. Ça m'a fait du bien. Piou, piou, piou. Vous savez les amis, si vous pouvez pas écrire un mot, c'est qu'il est bloqué, donc n'hésitez pas à ne pas le remettre finalement. C'est qu'on n'en veut pas. Au cas où. Voilà. Hier j'ai fêté l'anniversaire d'une copine, on a été manger le midi parce qu'elle était arrivée le matin. Et puis l'après-midi on a été dans un bar à jeux, puis on a joué à des jeux de société toute l'après-midi. Puis après, je suis rentrée chez moi pour une heure et demie. Puis après, je suis repartie pour le restaurant le soir. Et je les ai rejoints pour... Enfin, après, on a été dans un bar à ambiance, en gros. Puis ça m'avait saoulée. J'étais fatiguée, du coup, je suis rentrée. Je suis rentrée genre à 23h30. Je leur ai dit que je partais, quoi. Ça va, ça va. Ça va, en vrai, 23h30. Petite joueuse, je sais, je sais. Oula. Elle a fait feur, j'ai fait feur de fou hier. Grave. Qu'est-ce que ça fait là? Bah. Mais pousse. Nom de Dieu. Ah, je peux pas plus. Bah, pousse pas alors. Enlève. Grave, non, ça va, en fait, j'étais fatiguée et tout. Et j'ai passé toute la journée avec eux et tout. Ma santé sociale là. Enfin, ma santé sociale, c'est pas ça. Comment on dit? Ma jauge de sociabilité là, elle était à sec. Je pouvais plus là, je pouvais plus. Du coup, je suis rentrée. Batterie sociale, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'étais à sec. Du coup, je suis rentrée. Ça m'a fait du bien quand même de les voir, mais... mollo, lastico. Pas trop non plus, quoi. Enfin, pas trop. Pas trop longtemps non plus, quoi. Ça, c'est un tambour. La tambour sociale. La tambour sociale. Je pleurais de rire. En plus, je peux pas être sociale. Je suis allée à Paris hier. Oh, t'es allée à Paris? T'as fait quoi de beau à Paris, Nico? Raconte-nous. Salut, Picarine. Ça va et toi? Comment vas-tu? Ah oui, j'avais les clôtures, là, j'avais dit, à tester. C'est vrai, c'est vrai. Alors, comment on va mettre ça? Peut-être plutôt par là. Regardons. Non. Elles sont mes clôtures. Là. Oula. Oh putain. Évidemment, je suis déjà collée au cul de la maison là. Alors c'est ça qui est mal mis. Et qui devrait être plus haut, si c'est ça. Ok. Et par là-dedans. Plutôt là derrière, en vrai, je pense. Ici. Ah, mais c'est pas ça. Elle est où? J'en ai que deux? Je n'ai pas pris trois? Ah, si, trois. Hop. Pardon? Voilà, je préfère. C'est léger, mais ça met un petit côté plus métallique. Pourquoi pas? Les cailloux, ils sont un peu chiants, là. Je
qui demandaient à Rogue de venir les récupérer. Pour le terraforming, justement, il faut que tu aies 3 étoiles. Si jamais j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder, hein, j'ai fait beaucoup beaucoup de tutos. Il y a tout qui est dispo sur ma chaîne, si vous avez besoin. Salut Mojo, merci pour ton follow. Fatiguée, j'ai passé une grande partie de ma journée à dormir alors que j'ai du boulot. J'ai du mal à me réveiller. Oh, tu sais, des fois, faut mieux s'écouter et rester au dodo, là, pour se reposer un max. Des fois, il vaut mieux. Hein. Comme ça, après, tu repars plus en forme. Ça fait du bien. Oh, ouais, je sais, faut que je mette des fleurs et tout. Faut aller chercher mes sacs de graines. Parce que j'ai que des graines. Je suis quelqu'un, vous savez, je plante mes fleurs, tout ça. J'ai des graines de jacinthe jaune et des blanches aussi, je crois. Et j'en ai même pas mal, en fait. Hein. J'en avais racheté vraiment pas mal parce que je savais que c'était la merde. Pas mal, mais quand même. Ça va, ça va. Oula, Ayama. Ayama. Putain. Lox. Ayama. Hop, les petites ici. Ici, j'en ai déjà des fêtes, alors on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre ici? J'aurais bien vu un banc, en vrai. Ah, j'ai un nounours géant à mettre aussi. Attendez, faudrait que je regarde. Il passerait pas là-dedans? Oh, il est si grand que ça? Il fait quelle taille? Là, je peux le mettre, là. Il fait 3 par 3? Ah oui, il est grand. Oh, vous savez ce qu'on peut faire ici? J'ai une trop bonne idée. Ici, on peut mettre plein de nounours en mode le quartier des nounours, genre. Oh, c'est une trop bonne idée, en vrai. Genre, plein d'ours en plus. Sur toute la zone, là. C'est pas trop une bonne idée. Bon, après, faut qu'on trie les objets et tout, mais on pourrait grave faire ça, en vrai. Moi qui voulais faire un petit coin un petit peu... plus sympathique, et ben voilà. Attendez, je vais débarrasser mon inventaire parce que là j'ai trop de trucs, là je m'en sers pas. Ça me stresse. Par contre j'en ai pas, il faut que je recommande. Faut que j'en commande. Une tente d'enfant, un piano, un peu en mode, tiens, ouais voilà. Tu vois, Ali. Piano, je sais pas, est-ce que ça va prendre de la place. Limite changer les... Bon alors attendez. Prenons les choses dans l'ordre. J'ai trop une idée là, ça y est. Le coussin chrysanthème. Aspirateur, on s'en fout. Tabouret cubique, bisous. Non. Ça, il nous faut quand même. Bye, bye, vélo de ville. Je vais ranger ça. Ça, ça, ça. Bon, on range tout. Allez, on range tout. Voilà, hop. Et en attendant, je vais pouvoir juste faire un petit truc un peu bête, mais... comme... ah bah non, pas si bête. Je vais planter les graines comme ça ici, il y en aura plein qui auront poussé en même temps qu'on time travelera. Parce que je sais qu'il y a des trucs en mode nounours et tout qui se craftent, si j'ai pas de bêtises, mais il y en a plein qui s'achètent. Il y a des nounours, des pandas. Tu fais ça, Lolo? Oh non. Oui, tu fais ça où? Sur ton île? Tu fais un endroit où il y a que des nounours. Oh putain, je te pompe ton idée. Je savais même pas, je m'en pas fait gaffe. Ah oui, à l'entrée de ton île. Oui, si, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Mange ton warn, canaille. C'est vrai, t'as raison, je mériterais un warn. T'as raison, t'as raison. Vous êtes trop soulmate, c'est pour ça. Ah bah, je vais pas me gêner. T'as cru que j'allais me gêner ou quoi, Lolo? Enfin, t'as cru que j'allais pas me gêner? Moi, je vais me gêner. Non, je vais pas me gêner. Bon, t'as compris. J'ai eu l'idée. J'ai trouvé une idée pour faire encore une zone différente. Crois-moi bien que je vais la faire. Je vais pas me gêner. En tous les cas, j'allais le faire. Que tu le veuilles ou non. J'étais partie pour là. Salut Nono, ça va et toi? Ça peut être une idée en vrai. Le but là, c'est vraiment de faire des endroits qui se ressemblent pas et qui ont une âme un peu différente, on va dire. Pour changer un petit peu. Alors déjà, je peux... Hmm.
C'est quoi, c'est ours? J'ai des trucs en ours, moi? J'ai un bébé ours. Et ça, c'est un craft, hein. Putain, je sais pas si je l'ai. Je vais en commander plein. Ouais, ça va bien, Nono, merci. Et bienvenue à toi, du coup. Bienvenue, bienvenue. Ok, on a commandé. On va aller sur le DLC. Pardon, madame. Poussez-vous. Quitte à même mettre la maison de Cédric aussi dans les nounours, en vrai. Ça peut être une idée. Comment on appelle ça, machin aux nounours? On met quoi? On met clairière aux nounours? Quartier des nounours? Comment on appelle ça? C'est une petite zone résidentielle. La clairière des nounours, en vrai, c'est Mimi. En vrai. L'autoroute des nounours. Ça a du sens. La prairie des nounours. Chez Boucle d'Or. La vallée des nounours. Oh, la vallée des nounours, c'est pas mal, en vrai. J'avoue. Le checker des nounours. Mais désolé, le jeu, il fait que clignoter, là. Attendez, je l'enlève, je la remets. Un peu long, hein. Y'a rien qui va. La foire aux nounours. Non, c'est bien la vallée des nounours. Après, la vallée, c'est plus un truc en mode où c'est entouré par des... La street des nounours, c'est pas mal. C'est pas mal. Le tchikar, mais bon, bref. Moi, j'aime bien le tchikar. Hein. L'écran, il croustille. Il croustille de fou, Marvin, t'as vu? Il croustille de zinzin. J'ai le tracteur pour le brevet blanc. Quoi? Comment ça? Oh, le village des nounours, c'est bien, en vrai. Ça a de l'idée, il y a de l'idée. Ah, le tracteur, comment ça, t'as un tracteur pour passer ton brevet blanc? Je me disais bien, Nono, je me disais... Mis à part s'il fait un truc agriculture, là, j'aurais compris, en mode qu'il te faille un tracteur pour faire une épreuve ou je sais pas. T'as le tracteur, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Franchement, mais c'est moi ou ça clignote? On est d'accord, ça clignote. Le jeu, il clignote, on est d'accord. Il est bugué. Il y a un truc. Oui, ça clignote. Vous me redites si ça le refait. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être les câbles en dessous. J'ai pas beaucoup de sous. J'ai que ça? Je vais en mettre des brins. Et comme ça, on va mettre un peu de variété quand même. Pourquoi j'ai que ça? Le reste, c'est des pandas? Ou il y a plus de bébés? Enfin, de bébés. Oula. Il y a plus que ça, normalement, non? Full custom, non? Et des mamans ours, on est d'accord? Alors peut-être que je l'ai pas encore débloqué. Faut qu'on fasse un peu du DLC, je pense. Attendez. C'est des crafts? C'est que des crafts? Papa et maman ours, ouais, on est d'accord. Il y a maman et papa et il y a le bébé. Attendez, mais on va regarder sur ASNH Life. Pourquoi on s'embête comme ça? Pourquoi nous embêtons-nous, franchement? Pourquoi nous embêtons-nous? Travail, ASNH Life... Objet. Ours. Alors, il y a maman. Papa ours. Catégorie avant, donc il est à acheter. 8500 l'ours. Ça a reclignoté. Putain, je sais pas pourquoi ça clignote. Peut-être que c'est ça. Je pense que c'est plutôt les câbles, mais... Merci Gizmo pour le follow. Mais ils nous disent pas quel habitant ils nous donnent. Puis il y a des couleurs sympas en plus pour la maman ours. Le nounours géant, il se personnalise. Oh, il y en a un comme ça. En rose. Mais lui, ça c'est un craft. Mais celui-là, il se craft avec d'autres.
Après, on peut en mettre qu'un seul, en même temps, il est tellement grand. Ok. Bon, va falloir qu'on fasse des petites maisons. Vous savez, c'est qui les donne ou pas? Je crois que c'est Léa pour les ours. Ça me paraît très logique, en vrai. Le DLC, elle est grave rentable. Ah, mais tellement. Il y a Sylvette. Sylvette, c'est quoi son truc? Meilleure maison de tout voisinage. Faire des pâtes. Ok. Trucs qui font peur. Embrasse mon esprit. Capellerie, truc machin. Bon, on va faire Sylvette. Pour soi, Jarod, on n'a pas ton temps. Mais l'ours en plus, joli rêve, j'avoue, mais peut-être moins celui-là, non? Il est peut-être un peu... Il fait quoi, là? Bah, faut que je fasse sa quête, là, pour mettre les fleurs ou je sais pas quoi, là. Ou les insectes pour utiliser les papillons et tout. L'ours en plus, joli rêve, il me tente moins. Vous savez, c'est celui-ci, là. Il fait moins ours. Enfin, t'as la famille ourson et lui, il fait vraiment ours, tu vois, enfin... Mais il a le mérite d'exister, hein. Je dis pas le contraire, mais je suis moins fan, j'avoue tout. Un peu moins fan. Oh, il y a le gros truc gonflable là. Je l'aime trop, Sylvette, elle est adorable. Pour avoir les items des villas, bah faut que tu les commandes. Il n'y a pas d'items des villas. Hein, le... Si jamais il y a tous les items qui sont dispo. Qui sont dispo comme tu peux quoi. Enfin, comme tous les autres objets. Tous les items qui sont sur le DLC, je veux dire, ils sont dans ta ville comme tous les autres objets. Ah, let's go, Alix, trop cool. Et salut, Petit aussi. Salut, Shanna aussi, merci. Un tableau à la craie dans la cuisine, ça s'engueule. Un message interposé dessus, mais ça va pas. Ah, Sylvette sur Akomu de la belle époque, m'en parle pas. Petite louloute. Sniff, sniff. T'as combien de villas? Ouh, alors là, je sais pas, je les ai pas comptées, je t'avoue. Il va être énorme. Le truc là, le meuble là, je comprends pas. Est-ce que vous l'utilisez, vous? Attendez, je vais l'ouvrir. Mais Sylvette, je l'aime, elle est trop belle. Est-ce que vous l'utilisez, ce meuble là? Il est vraiment gigantesque, quoi. Je sais pas comment l'utiliser. Oui, menteur. Non, jamais, hein. Tu l'as vraiment, Lox? Je l'ai utilisé, c'est vrai. Est-ce qu'elle me donne les objets? Faut que je regarde en même temps. Non. Pour la fête foraine, si vraiment. Il était rose peut-être, j'ai pas fait gaffe, j'avoue. Ouais, le DLC j'ai déjà fini en entier, ouais, si jamais. Mais pas sur cette île-là, on est... Mais il y en a 400 quand même, hein. Je l'ai fait sur Akomu, j'ai fini les 400 maisons du DLC, j'ai fait tous les habitants du jeu sur le DLC. Il y a ma vidéo qui est d'ailleurs sortie sur ma chaîne YouTube pour qui explique ce que ça fait quand on termine le DLC à 100%. Que dans la fête foraine, vous l'avez utilisé si vous l'avez mis de toute façon. Ah, en rapide. Ah ouais, non, t'imagines en vrai. Oh, trop long. Oh, note, Charline, comment ça va? Allez, les 15 000 Poki, je te remercie. Hop. J'ai vu des stars aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Trop une star, toi. Hein, c'est normal en même temps. La star qui rencontre des stars. Une garderie pour enfants. Doit y avoir des ours là-dedans, non? Des genre, c'est un doudou, tu vois. J'ai pris un peu d'avance sur la comète. De quoi? Sur... Ah non, sur la compète. Là, sur la comète. Attends, je reçois rien parce que je suis en mode ne pas déranger, donc j'ai aucune vibration, là. Attends, j'ai du mal à comprendre. Comment tu vois ?
Mais t'as 600! Vas-y, tu me saoules! Tu me saoules! Une truche! Fallait que je continue le haut là, c'est vrai. Le petit bébé dans sa poche qui fait comme sa mère, je vais mourir. Hein. Bien dit, ma femme. Lox. Suppo, il a écrit. Il a écrit Suppo. C'est si terrible. C'est si terrible, il a écrit Suppo. Je vais pas... Voilà. Je vais rien dire. Tu peux faire exprès, bah je me doute bien. On aime pas ça les suppos, non, on aime pas trop, hein. On aime pas trop, non. Bon, est-ce qu'elle me les débloque, elle? Maman ours. Wouh, on en a une. Et il nous manque le papa ours. C'est bien qu'on les débloque comme ça aussi vite, hein, honnêtement, là. C'est un pull qu'elle a, je comprenais pas ce qu'elle avait. Comme haut. Donc on a bien débloqué la maman ours. Fais voir, elle est grande comment? Bon, elle est petite. Elle est pas si grande que ça, la maman ours. J'aurais dit quand même un peu plus grand. Je suis un peu étonnée. Pas très grave, mais... J'aurais dit quand même un peu plus. D'ailleurs, j'en profite, c'est le moment promotion. La promotion. Vraiment, mais... C'est le moment de vous demander de rejoindre le serveur Discord, évidemment. Si vous n'êtes toujours pas dans le serveur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a le lien qui a été mis dans le chat. Si jamais, vous n'avez juste à cliquer sur le lien et ça vous enverra sur le serveur Discord. Voilà. Et par la même occasion, je vous invite grandement à me rejoindre sur Instagram parce que je vous mets un peu des exclus, tout ça. Je vous raconte un peu ma vie sur Insta. C'est quand même plutôt cool, en vrai. Ça vous coûte rien. Puis comme ça, vous suivez un petit peu les actus, tout ça, tout ça. En fait, c'est un peu drôle, hein. Il y en a qui ont loupé et qui ont osé louper le fait que j'avais une sponsor pour des panneaux solaires. Ça, c'est honteux. Honteux de votre part d'avoir loupé ça, franchement. Très honteux, mais bon. Voilà. Et petite par rapport au papa. Oh, bah, je me doute bien, parce que le papa, je crois qu'il fait 2x2 la case. Je crois que celui-là, il fait 1,5 sur 1,5, je crois. Le petit, c'est 1x1. 1,5, 1,5 la mère. Et le grand, c'est. Enfin, le papa, c'est 2x2. Et le grand, c'est. Alors, 2,5x2,5 ou alors 3x3. J'aurais dit 3x3, mais. Mais bon, 15e Poki. Aïe aïe aïe. J'ai la flemme de faire la fête, pitié. 3x3 le papa. Attends, je regarde sur l'appli. Comme ça on saura. Papa ours. Non, 2x2. Et le nounours géant, 3x3. C'est ça. Ouais, faites gaffe un peu là avec les wards, enfin les... vous commencez à être dissipé, je vais remettre le chat en une semaine de follow parce que ça commence à... Là on a eu deux bans de tempo de genre je sais pas combien d'heures, en... même pas 3 minutes là. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, ça recommence à être un peu le zbeul là. Non non, le géant c'est un autre encore. Le géant il fait 3x3 et le papa fait 2x2. Ah, franchement désolé, on va devoir punir tout le monde, mais si c'est pour qu'on se fasse... Un peu embêté comme ça, on a un peu la flemme quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le prochain truc comme ça, franchement, on repasse en follow. Hein. Oh, j'ai la flemme honnêtement là. Joseph, c'est quoi un café glacé? Une jungle, toi, tu... on s'en fout toi. Trucs qui font peur. Bah, vas-y, on va lui faire elle. On a la flemme, on a la flemme. C'est assez Nash Life l'appli. Tu peux débloquer avec Léa. Bah oui, mais Léa, elle est pas là. Ah, mais attendez, j'ai son ami beau à Léa. Je peux peut-être la faire venir direct, en fait. On perd moins de temps comme ça. Enfin, je crois que j'ai son ami beau, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de l'avoir, en fait. Bon, on fait celle-là vite fait. C'est moins con, en fait. Vous êtes vraiment pas bête, vous. Putain, vous êtes trop intelligent, même, je dirais. Voilà, j'ai trouvé son ami beau à Léa.
C'est vraiment une carte Pokémon. Je sais pas si je l'ai en fait. Vous savez s'il y en a d'autres qui l'ont ou pas? Je crois que je l'ai pas. Je l'ai pas, je crois. La Vanessa, l'official. Je ne l'ai pas à l'amiibo de Léa. J'ai pas toutes les cartes amiibo, bien sûr que non. Merci, Jicanari. Vous savez s'il y en a d'autres qui le débloquent? Parce que non, j'ai pas tout. Je les ai pas tous, les amiibo. Attendez, ça coûte une blinde, hein, les amiibo. Coquet et déçu. Putain, Kali, pire en pire. Hein. Coquet et déçu. J'ai Tom Nook, j'ai Gertrude même. Mais alors là. Les autres, j'ai pas tous. Eh non. Je crois que j'ai Papa Ours. Mais aussi, je l'ai sur, sur Akumon. Enfin, je pourrais me l'envoyer. Mais... juste par question de. Allez hop, on le chope en rapide. Bon, allez, la Vanessa. Faudrait que je dise que je fasse des maisons à étage aussi. Pour avoir plus de points pour monter mes levels. On avait plusieurs Tom Nook et Marie. À la convention? Arrête. C'est vrai? Oh non. Putain, mon rêve d'avoir une zone comme ça, ça aurait été trop bien. C'est pour les trucs volcaniques d'avoir une zone comme ça sur Animal Crossing où tu puisses mettre du rocher comme ça. Stylé. Ah, Candy peut-être, Webstyle. Peut-être, hein. Oh putain, ma femme, tu la pré-shot, quoi. C'est fou, hein. Oh, dans la boutique. Ouais, je sais qu'il est dans la boutique. Capri, il veut un parc féerique, sinon. Y a pas un... attendez, y'a pas un site où on peut regarder les thèmes. ACNH, DLC, thème des maisons. Putain, c'est chaud là. J'ai une liste, il y en a tellement. Oh là là, attendez, c'est vraiment une liste écrite par les joueurs, donc il va forcément y avoir des doubles. Le guide. Ah, Chai peut-être alors. On va aller regarder pour Chai alors. On va regarder ça, on va regarder ça. Tu les vois où les trucs, Pistil? Elle est où? Elle est là. Son amitié pour les pattes, vraiment, c'est un peu étonnant quand même. Sacré Vanessa, hein, franchement. Décoratrice superstar. Oh my god, I'm so superstar. 20 000 pokis. Je crois que je gagne 45 000 pokis sur Akumon quand je fais une villa. 45 000 ou 40 000, je crois. C'est énorme. Mais non. Planaire Asana, je regarde. Ah. C'est vrai qu'il y a ça. Alors attendez, je vais dire regarder pour Chai, à tout moment elle nous le débloque, hein. Ça m'étonnerait pas en vrai. Client VIP in the club. Hop. Pitié. Ok. Vas-y. Aïe. Oh, je l'adore. Petite louloute. Petit loulou, petite louloute. Non, petite louloute, non. Non. Femelle. Petite.
petite louloute. C'est une vive, c'est ça. Quelle beauté. T'as vu ça? Avec sa tasse sur sa tête, là, elle est trop mignonne. J'espère qu'elle l'a en vrai. Elle est trop mignonne, vraiment. Je l'adore. On va faire une villa à étage parce que j'en fais jamais. Et en vrai, il faut que je fasse ça pour avoir plus de points. Pour avoir des levels plus facilement. Et pour avoir un niveau supérieur plus rapide. Ça, c'est beau, vraiment, Zoria. Au pôle Nord. Pourquoi au pôle Nord? Pelucheuse. Et ouais, on a le papa ours et les papa pandas. Trop cool. Vous êtes trop fort, merci. On va lui mettre... Hop, dans sa maison là. Et perfect, on les a débloqués. Vous êtes trop forts. Bravo à vous. Vous slayez. Slay! Trop de bons conseils. Ce canapé, je le trouve vraiment beau par contre. Il est très joli ce canapé. Je l'aime beaucoup. Bah, voilà, ma villa à étage. C'est tout. Elle est comme ça. Superwoman ou quoi? Bien sûr. Il est trop beau ce canapé, vraiment, je le trouve trop joli. J'aimerais trop l'avoir dans mon salon, genre, je vous jure. C'est Pistil qui m'a dit... En fait, le thème de sa maison, c'était genre... douceur pelucheuse. Et moi, je cherche des peluches. Donc forcément, on va en avoir, tu vois. Pépitas, hein, elle est trop cool, hein. Merci, hein, Pistil. Trop forte. Ça a été vite finalement, comme ça on peut re-téter. Hop, on peut téter. Poki. Et on pourra recommander des trucs du coup. Vas-y, fini. Et on va téter. Le tété café. Hein, c'est un thé ça. Non, c'est un café que t'as mis. Non? Voilà, Marvin. Oh my god, Diablo Brazovski. Salut. C'est des talents de décoration de maison. Elles sont si belles et vides. Ah, elles sont trop belles, hein. Merci de... C'est vrai. Merci de relancer le sujet. C'est vrai que personne ne me complimente sur la déco de mes maisons dans le DLC. Je comprends pas. Je comprends pas parce qu'elles sont trop belles, en fait, mes maisons. Donc, merci. Heureusement que t'es là, Bob, pour... dire qu'elles sont trop belles, quoi, parce que c'est le cas, elles sont trop belles. Voilà, merci de remettre les points sur les i, finalement, hein, de dire la vérité. Hein. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Ah, je pense. J'avoue, ça, cela est simple et efficace, hein. Merci. Vraiment, c'est la maison qui est trop bien faite, carrément. Au point où les viewers ne savent plus quoi dire tellement elle est trop belle, normal. Après, je comprends, hein. Attends, je peux que comprendre, hein, franchement. Elle est trop belle, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ça se voit, t'es une pro. Ah, merci, ça fait plaisir. Ah, bah maintenant, tu sais, moi, je suis talentueuse. Hein. En 3 secondes, c'est plié, c'est rangé, c'est magnifique. Voilà. Salut, Lilith, comment ça va? Zoruya. Oui, mis à part Zoruya, pardon, c'est vrai. Mis à part Zoruya. C'est vrai que je suis bouche bée. Ah, mais je peux que comprendre, hein. Normal. Ok, Valérie, d'amidon. D'amidon, il m'a dit. Allez, on va recommander des trucs. Valérie, d'amidon. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est fou, ces histoires. Je savais pas que Valérie c'était d'Amidon, son nom de famille. Alors, on a commandé que des bébés ours. Ah, c'est fort sympathique. On va recommander, écoutez, puis...
Faut que j'ouvre les autres colis parce que j'ai besoin des couleurs de catalogage là. Hop, on va les prendre. Hop. Ouais, ça va bien, merci. Ça va, ça va. Hop, on récupère ça. Quand les poules auront des dents, le prochain Animal Crossing, je pense. Alors, on va recommander. Et salut Clara! Je me moque du chai, la honte de se moquer du chai, mais bon, bref. Du coup, on en a catalogué d'autres, on va reprendre un comme ça. Prendre un comme ça. Et on va reprendre un autre petit jaune encore. Ça me dégoûte, imagine des poules là-dedans. Les poules ont déjà des dents. Tu es sûr? Salut Jessie! Ah, t'as vu, elle slay, hein? La gueuse me saoule à pas avancer. Quand je la promène, tu la tires, genre. Tu la traînes au sol. Pauvre gueuse. Allez, la gueuse, on avance là! La gueuse, pas trop volontaire. Ça dire jamais finalement. Oh, c'est un meuble, les poufs marocains, comme tout le monde. Enfin, comme tous les autres, comme tout le monde. Tout le monde, vous êtes tous des meubles. Comme tous les autres. Bien dit, Nico, c'est bien dit ça, j'avoue. Allez, au travail. Nous, on travaille grave et tout, donc fou. Comme tout le monde. Bah quoi? Laisse pas me tromper. Non, c'est pas qu'avec le DLC. Le DLC, vous voulez, ça sert à rien en soi. Il n'y a pas de nouveaux meubles particulièrement. Le DLC, c'est juste plus facile d'avoir tous les meubles. Mais tous les meubles sont disponibles sur votre partie. Il n'y a pas de meubles propres au DLC. Je sais pas combien de fois faut que je le répète, mais... Enfin, dans les meubles de construction, il y a des meubles typiques pour les villas de loup. Tu vois, t'as des petites tasses, un tapis, voilà, des trucs comme ça. Mais c'est pas des meubles que tout le monde réclame, quoi. Un mégaphone, je crois, je pense, hein. Je vais mettre un effet mégaphone et je vais faire les meubles ne sont pas. Oh, ah non, je crois que c'est Cédric, pas du tout. Ah non, j'ai sur mon île. Alors, non, t'as nous des ours. Quoi de neuf, mon ami? Mon petit loulou. Hop, ours. On dirait qu'ils font la même taille. Vous voyez bien quand même les tailles, enfin les couleurs. On va reprendre ça, j'aime bien celui-là. Pourquoi tu sors ça random, Lox? Je comprends pas des fois. Bon, attends, il a une calvitie. Mais n'importe quoi, il a des cheveux. Il a une grosse touffe. Tu parlais d'amis? J'ai dit quoi? Parlant de l'ours. Le contexte est très drôle de cette phrase. Daltonien, c'est les couleurs, Nico. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je suis daltonien. Je suis daltonien, du coup, je vois pas. Il a une calvitie pour moi. Je vois pas ses cheveux. Ah, d'accord. Je me rappelle même pas, Lox, avoir parlé d'amis. Salut, Jade, comment ça va? Le truc de la pub, il est complètement zinzin en bas. La clignote et tout, genre. Ça clignote encore l'écran d'ailleurs du jeu ou pas? J'ai pas fait attention, j'ai pas vu de flash, donc je pense que c'est un peu réglé. Enfin, j'espère. J'ai pas vu clignoter ou quoi. Vous voyez bien les couleurs des ours. Moi, je vois rien. Vous m'avez perdu, je comprends plus rien. Je comprends plus. Je ne comprends plus. Ah, ça a clignoté là, c'est une blague ou quoi? Pile quand je demande, ça clignote.
Au pire, ça clignote, c'est une fois tous les 6 ans, ça va. En vrai, c'est pas trop embêtant, je trouve. Vous me dites, c'est vraiment emmerdant, je regarderai, mais... Ça va être mon verre média qui va me lâcher. C'est écrit dessus. J'ai pas ton message qui s'est envoyé. Campinge ! Petit campinge, les amis. Salut Akimi, comment tu vas ? Ah, quand ça clignotait. Ok, d'accord. Ok, ok. Ok, ok. Putain, là, c'est ton émote de clinton, puis tu es cané. Allez, on va recommander des mamans, là. On va recommander des papas. On va recommander des mamans ici, quoi. Qu'est-ce qu'il y en a, des bébés ours, purée. Hop là. Oui, j'ai dit cette émote, là, de wink wink, elle me fait trop rire. C'est un peu drôle. Tu commandes pas des bébés comme tout le monde? Bah si. Tu me prends pour qui? Je sais pas, genre. Moi je commande grave des bébés, hein. Normal. Qui commande pas de bébés? Bon, n'hésitez pas à voter à la prédiction si jamais. Au lieu de faire des conneries. Bah quoi? Oh, il m'a fait peur, le con. Danse un peu le chat là! Il slime est bon. Combien de temps le camping? Ok, on va aller au camping. Votez pour le camping. On va faire direct le campinge. Comme ça c'est fait, on n'oublie pas. Et après on va travailler axe. Grosse crotte de nez. Pourquoi tu dis une crotte de nez? Ça va pas ou quoi? Laisse-le, petite crotte de nez, voilà, pauvre chat. Pauvre chat crotte de nez, là. Me donne envie de passer encore des heures à regarder Magical Doremi. Bah, normal, j'ai envie de te dire. Normal. Salut, Nolan. J'avoue, en vrai, je les entends presque plus à force, honnêtement. C'est souvent ça, même l'alerte que j'avais avant, je n'entendais plus du tout quand il y avait des follow. Bah, c'est un garçon. Bravo à ceux qui ont voté garçon, finalement. Bravo à vous. C'est Nonos. Et enfin, l'alerte d'avant, je l'entendais plus du tout, à force de l'avoir entendue. Du coup, merci Kokomi et merci Léla. Merci pour vos follow. J'espère que vous allez bien. Puis j'ai baissé les sons dans mon casque, donc j'entends encore moins bien. Oh, stop de t'asseoir. Non, c'est vrai, Pistil. Bon, j'espère que tu le trouveras quand même. Je croise les doigts pour toi. Hop hop hop, on cavale. C'est long. Hein. Un petit peu longué. Hop là. Ok. je pète tout. Bah oui, allez, on peut commander des trucs au travail. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Une sur TikTok, une sur YouTube. Bah alors, on n'a pas vu mes vidéos? C'est comment avoir tous les objets du jeu facilement grâce au DLC. Allez au travail, c'est parti. De quoi, Mimi? Qui? Qui ça? Nonos? En vrai, Nonos, ouais, il passerait. Franchement, ouais. Franchement, oui, il pourrait passer. Mais j'ai déjà cherché tous mes habitants sur les îles et tout. J'ai un peu la flemme de... De refaire en vrai. Après, il y a Cornio. Mais bon, bref, c'est pas celui que je préfère, quoi. On va pas se mentir. Il est Mimi, quoi, mais bon, voilà. C'est pas mon faf, quoi. Il y a juste Cornio Kali qu'il faut que je change. À voir si je le fais pas. Enfin, si je le dégage pas avec un ami, beau, tu vois, franchement. Non, je vais pas prendre Nonos, je vais pas le prendre. C'est pas un habitant qui me fait vibrer. Par contre, vous, vous me faites vibrer. Pour l'heure, qu'est-ce qu'il est l'heure? Ouais, en plus, c'est un peu long, j'avoue, Annie. Après, bon, en vrai, ça va. Ça devrait le faire, mais... Il a une chance sur 10 de me dire le bon habitant, quoi. C'est ça qui est un peu plus chiant. Après, je crois que j'ai sa carte, Amiibo, à Nonos, donc... Dolly be like. J'avoue. Ma pauvre femme.
C'est papa ours, hein. Oh, c'est long de ouf. Point d'exclamation lurk pour le lurk. Papa, papa, papa. Mur, mur, mur. Mur, 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 mur. Papa. Papa, ours. Oh, il est mimi comme ça. 7000... Oh, la vache. Oh, ouais, lui. Oh, il est trop moche comme ça. Horrible. Allez. Petit time travel. Et on sera good. Ça, c'est beau. Mimi, mais cher. Ah bah, un peu cher. Ouais. J'avoue que là, il nous met un peu mal. Après, ça va, on a que ça à commander. Mais bon. Papa outé, finalement, tout à fait. Et dire que vous savez, Stromae, il a archi percé à l'international avec cette musique. Je crois que c'est grâce à Papa outé qui s'est fait connaître à l'étranger, si je dis pas de conneries. Pour voir les non-français chanter cette musique, c'est un peu drôle parce qu'ils sont Papa outé. Ils savent pas chanter le Papa outé, genre. Ils savent pas comment le prononcer parce que c'est un mot. Mais stop de clignoter l'écran, là. C'est un mot qui est vraiment écrit, genre, Papa outé. Comme ça. Genre. Donc ils savent pas comment le dire. C'est un peu drôle. Et t'as des gens qui s'enjaillent dessus comme si la chanson parlait de faire la fête grave alors qu'elle est super triste. Elle est horrible la chanson en vrai, hein. Faut pas se mentir, hein. Elle est super, super triste, hein. J'ai plus de Switch pour jouer Animal Crossing et du coup comment je peux faire pour convaincre? Convaincre quoi? Qui? Comment? Je papa out, tu papa out. C'est vrai, hein, Pistil, t'as raison. Il papa out, nous papa outons, vous papa outez, il papa out. C'est ça, hein. Mes pères, ils vont chercher du lait réel. Carrément bad mood des paroles, je te jure. Après, la musique, elle ambiance, tu vois, donc je comprends, mais... Elle est pas fameuse, quoi. Enfin, elle est pas... Elle est un petit peu bon. Ah bah oui, Gab, complètement. Oh, pardon, je vous baille dessus. Je me suis fait... en papa outé. Alors là, je sais pas, quelqu'un connaît ou pas? Il y a un gosse qui l'a chanté, il a lancé un bouffe, t'es mort. Quoi? Comment ça? Ça va pas ou quoi? Bois de l'eau, gouttelette. Pardon, je vous ai fait bailler, merci pour l'avoir. Ah, depuis que j'ai baissé le prix de 1000, hein, vous me faites boire, hein? Punaise! C'est bien, vous avez bien raison. Vous aussi, vous devriez boire. Mon chien, il a pété à côté de moi. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Il te pète dessus sans pression. Tu sais, allez, hop. Prout, prout, un petit prout par là. Merci, c'est moi pour ton follow. Hop. Ah non, Lox. Ouais, c'est comme avec Pump Up Kids. Qui parle d'un attentat à l'école. Ah ouais, jure. J'ai jamais traduit les paroles. Je sais pas du tout la traduction, ce que c'est. Évidemment, il m'en reste deux, quoi. Oh, franchement, fait chier. Attendez. Pour avoir le magasin? La boutique Nook? Bah, joue au jeu. Faut juste jouer. C'est vraiment le truc qui te demande au jour 2, 3, quoi. Salut Lucie, comment ça va? Salut Gabriel, merci pour le follow. Revenons au pipi, à force de boire, tu vas te faire pipi. Tu vas faire pipi transparent, t'inquiète. Non. Si jamais la question se posait pour de vrai, non. Je ne fais pas pipi transparent. Mais à force de boire, si tu bois vraiment beaucoup... D'ailleurs, attention parce que vous pouvez vous faire... si vous buvez vraiment excessivement beaucoup, vous pouvez vous noyer. C'est pas une blague. Vous pouvez vous noyer, genre vous pouvez faire une intoxication à l'eau. Et c'est pas une blague. Genre, alors c'est arrivé. Oh, c'est vraiment minuscule les bébés ours là.
C'est déjà arrivé, il y a une histoire vachement connue comme ça, où c'est une meuf, enfin c'est un couple qui était en voiture, et le mec il conduisait, et la meuf à côté elle était là, mais putain j'ai super super soif, vite donne-moi à boire. En gros il lui a donné la bouteille d'eau qui était à côté, tu vois. Et 2 minutes après, elle venait d'engloutir une bouteille de... Enfin vous savez, les grosses bouteilles d'eau quoi, les bouteilles d'eau classiques. Et elle en a rebu une deuxième. Elle avait encore super soif. Et 5 minutes après, elle en a rebu une troisième. En rentrant chez elle, elle s'est noyée dans son propre corps. C'est un peu terrible. C'est pas une blague. Donc faites attention. Des fois, t'as des trucs comme ça, mais tu sais pas pourquoi, genre, mais... Même si, bon, vous risquez rien si vous buvez 3 litres d'eau par jour, tu vois, mais... D'un coup, quoi, c'est super dangereux, donc faut faire gaffe. Alors, on va peut-être déplacer cet arbre. Oui, pas en one shot, bien sûr. Bah oui, évidemment. Ce qui est grave, c'est pas de boire genre par jour, genre 4 litres d'eau, tu vois. Ce qui est grave, c'est de boire 4 litres d'eau en une demi-heure. Ça, c'est grave et tu meurs. Normalement. Si t'as de la chance, tu meurs pas, mais voilà. En fait, quand tu bois beaucoup, t'as de l'eau qui s'infiltre dans... Enfin, qui s'infiltre, genre qui... Qui fait gonfler ton cerveau en soi. Et tu meurs de ça. Voilà. Faites attention. Après, bon, ça devrait pas arriver, mais si jamais un jour ça vous prend d'avoir hyper hyper soif comme ça, il y a un problème déjà de base. Tu bois pas autant d'eau, genre. Pour le travail. Mais comment ça, comment on fait pour le travail? Pour aller au travail, c'est le DLC. Faut que t'achètes le DLC. Et si tu l'as pas acheté, bah tu l'auras pas. Et si tu l'as acheté et que tu l'as pas, c'est que tu l'as pas encore. Enfin, que t'as pas encore débloqué le truc. Donc c'est que t'as pas encore assez joué, donc faut jouer. Faut juste jouer et avancer. Peut-être le pousser, c'est un peu chiant qu'il soit comme ça. Voilà, je me disais bien. J'aimerais bien mettre la maman ours. Mettre le petit. Bébé ours. Après, si on boit trop d'eau dans la journée, genre plus de 3 litres, les reins ne se fatiguent plus vite et ça peut générer des problèmes de reins par la suite. En effet, oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mais il faut quand même boire. Faut boire. Y a des gens qui boivent. Enfin, qui boivent. Qui boivent. Qui boivent. Qui boivent. Non, qui boivent. Bref, il y a des gens qui boivent vraiment pas assez de la journée. Il y a des gens, ils consomment même pas genre 1 litre d'eau par jour. Ouais, boivent, c'est ça, hein. Tu peux pas le mettre devant là? Oh, tant pis. J'aurais juré que je pourrais le mettre devant. Il y a des gens qui ne boivent vraiment pas du tout assez d'eau et c'est ça qui est dangereux. Vous avez besoin de boire pour être hydraté. Ça peut paraître con, hein, mais beaucoup de gens ne boivent pas assez. Boire 2 max, Malou, faut vraiment que tu boives plus. Hein. C'est important, hein. Je bois jamais d'eau et j'ai 62%. Bah normal, Gabriel. Ton corps est quand même composé d'eau, même si tu bois pas de l'eau tout le temps. C'est normal. Buvez de l'eau, c'est important. C'est ce que j'allais dire. L'interrogation est un peu drôle, je trouve. C'est un peu drôle. Bon, allez, le papa ours, là. Mais genre, tu passes pas, le papa ours. Tu nous la fais pas à nous, papa ours. On sait que tu passes. Voilà, papa ours. Ah, je me suis coincée, là. Sorry, the bush. Bref, le buisson, quoi. Allez, on va faire ça. Bébé ours. Bûcher, c'est ça, hein. I am not crazy. Là, il me faut un petit jaune ici.
Je bois pas beaucoup à part pendant les repas. Et maintenant, je bois plus parce que c'est vrai que c'est important. C'est important, vraiment, faites attention parce que... Surtout avec les périodes de chaleur, en fait, dites-vous que quand vous transpirez de l'eau que vous avez bu. Si vous ne buvez pas assez, votre transpi, elle pue sa mère. Voilà, c'est dit. Donc ça veut dire que si elle pue sa mère, c'est que vous puez. Et que les gens autour de vous vous sentent. Si vous buvez pas mal d'eau, c'est dilué entre guillemets. Donc, on sent moins que vous puez. Merde, j'ai pu... Bah non, Lox, justement, tu consommes un 4 litres d'eau par jour. Ta transpi, c'est de l'eau, c'est plus de la transpi. C'est archi dilué, donc ça sent pas, voire presque pas. Justement, à l'inverse. Donc c'est pour ça, moi j'ai commencé à boire de l'eau parce que j'ai appris que genre la transpi... Enfin genre, j'ai appris que ça sentait, si tu bois pas assez d'eau, ça sentait dans la transpi. Et depuis que je sais ça, je bois pour pas puer. C'est pas une blague. Genre je consomme beaucoup plus d'eau maintenant parce que je sais que si je bois pas assez, je pue genre. Et que tout ceci explique cela. Donc j'ai commencé vraiment à consommer de l'eau pour pas puer et ce n'est pas une blague. Voilà. Je partage, hein, si jamais vous en avez besoin, voilà. Attention à ne pas puer. Voilà, voilà. Petite réflexion, là, petite réflexion. Petite réflexion, petite réflexion. Je doute. Mais c'était ça l'odeur à la Paris Games Week. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour Guillaume. C'est le connard, vraiment. Si vous n'avez pas de douche, buvez de l'eau. Prenez une douche également. Normalement, je crois que par repas, il faut... Alors... Après, ça dépend de la taille des verres, parce que beaucoup de gens ont des tout petits verres pendant un repas, et genre, c'est vraiment, genre, tu sais, des verres de diamètre, ça, et de hauteur, c'est ça, c'est des tout petits trucs. Genre... je crois que, genre, faudrait boire 33 centilitres, enfin, un verre de 33 centilitres, et genre, il faudrait en boire au moins deux par repas. Plus de l'eau en dehors des repas, pour être bien. Les verres de... Ouais, par exemple, les verres de cantine. Mais c'est ce que je me dis, Samoussa, faut que je regarde. Faut qu'on teste et on regardera après. Les déodorants annexes qui puent comme des rats morts contre. Moi, c'est les déos Dove. Putain, comme je pue quand je mets du Dove. Oh, l'odeur que ça me fait faire. C'est horrible. J'avais acheté un lot genre de 3 déos Dove. Oh, l'odeur, mais ça pue et sa mère, genre. Je sentais une odeur de transpi. J'avais jamais senti cette odeur de toute ma vie entière. Genre, mon corps n'avait jamais senti aussi mauvais qu'avec ce déo-là. Je vous jure. J'étais choquée. Putain. Je sais pas, Lox. Genre, en fait, c'était le... Enfin, ta transpi, quand elle sort, du coup, elle... Bah, tes aisselles, genre, ça, elle est direct en contact avec le déo. Et je sais pas, mais genre... Ah, on est d'accord, je suis pas folle. On est d'accord, il pue de fou, genre. Confirmation confirmée, on est d'accord. Putain, j'étais là en mode, mais attends, mais je pue de fou, genre. J'osais plus lever les bras jusqu'à ce que je rentre chez moi. J'étais là, mais attends, mais c'est pas possible que je pue comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je bois normal et tout, genre. Je check mon aisselle. Après, c'est les Dove femmes, je sais pas si les Dove hommes commençaient, mais... Ah bah, c'est les déos sans alcool, ça, Léa, qui piquent pas. Les déos avec alcool, souvent, ils piquent un peu, hein. Sanex et Dove, c'est les pires, je trouve. Sanex, ouais, Sanex... Je doute aussi un peu, j'avoue tout. Putain, c'est pareil, putain, la vache. Je me sens grave moins seule, là. Putain, j'étais là, putain, mais je pue et tout, je comprends pas. Plus jamais j'achète du Dove, quoi. Plus jamais de ma vie, j'achète du déo Dove. Je veux pas puer, en fait. Laissez-moi ne pas puer. Un déo Narta. Narta, je sais plus ce que ça c'est. Je sais pas si c'était bien ou pas bien, Narta. Narta, je sais plus du tout. Avec alcool, mais t'es vraiment zinzin, toi.
raser plus des hauts avec alcool, tu veux mourir ou quoi? Tu veux brûler de l'intérieur, Lolo? Ça va pas, hein? Et ça marche, Gabriel, ou pas? T'en penses quoi? Est-ce que tu trouves que c'est bien ou pas? J'avais pas fait exprès, oh là là, Lolo. Quelle idée de merde. Je me permets, hein. Alors d'ailleurs, ici, petit pouf marocain. Je peux pas le coller plus, là? Ah, si, quand même. Ok. Ça marche de ouf, c'est vrai. Faudrait trop que je teste, alors. J'avoue. Le truc que j'essaye. Là, il y en a trop, là. Il y a plein de nounours là. Hop. Moi je sens les produits laitiers quand je fais du sport des fois. Comment ça tu sens les produits laitiers quand tu fais du sport, Lox? Comment ça tu sens les produits laitiers? C'est un peu drôle dit comme ça. Je sais pas tenir. Comment ça, tu sens les produits laitiers? Un peu drôle. Je crois que c'est mon odeur corporelle. Mais comment ça, tu sens le lait? Tu sens pas le lait? J'ai pas trouvé que t'avais une odeur particulière, Lox. Genre, j'ai l'impression que tu sentais bah rien. Enfin, du moins, de autour de toi, dans le cercle où... où j'étais à côté, j'ai pas senti d'odeur émanant de toi, tu vois. Il y a des gens, ils ont des odeurs de parfum et trucs comme ça. Mais toi, non. J'ai pas senti... Qui dit, attends, tu sens quoi, toi? Beaucoup de gens, hein. Imaginez, personne ne vous le dit, mais vous puez. Ouais, c'est chaud, hein. Après, j'avoue que moi, dans ma... Et c'est assez fou. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pour ces personnes-là. On m'avait dit à l'époque que c'était des personnes qui avaient beaucoup, beaucoup d'animaux à la maison. Mais quand j'étais au collège, il y avait deux personnes dans le collège, et j'avais pas de chance que les deux étaient dans ma classe à un moment donné, qui vraiment avaient une odeur corporelle... Enfin, une odeur, mais... Vraiment, genre... C'était premier degré, pas possible d'être le voisin de classe de ces personnes. Ils avaient une odeur, mais genre, infâme. Et je sais pas comment expliquer, ces personnes-là ne se connaissaient pas du tout, hein. Ils avaient aucun lien de parenté ni rien. Mais genre, je vous jure, les deux, ils puaient, mais à un point où, genre vraiment, toutes les personnes qui étaient classées par ordre alphabétique à côté d'eux demandaient au prof de changer de place tellement c'était insoutenable. Même moi, dans la classe, vu que j'étais par ordre alphabétique, il y avait un mec et une meuf, et j'ai été genre dans la classe de ce mec en quatrième, je crois. Et ce mec-là était la table devant moi. Je pouvais pas, je devais reculer ma table. Tellement genre l'odeur était qui émanait de cette personne était vraiment affreuse. Et bon, lui, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, la fille qui sentait vraiment pas bon comme ça, elle avait énormément d'animaux chez elle, beaucoup beaucoup de chats, beaucoup beaucoup de chiens, et apparemment ça viendrait de ça. Et je sais même pas vous dire ce qu'elle, enfin ce qu'il sentait ou quoi, c'était juste une odeur horriblement désagréable. Et c'est pas pour être méchante ou quoi, mais genre vraiment il puait quoi. Et ça me faisait trop de peine. Et c'est pas voilà, tu pues quoi, c'est comme ça, tu vois. Tu peux rien faire en soi. Surtout, en plus, c'était... Enfin, à l'époque-là, on était quoi? On avait 12-13 ans. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est tes parents qui font ta vie à la maison, tu vois? Donc, Et c'était vraiment désagréable. Et je me rappelle une fois... c'était un peu horrible. Mais j'avais un pote. Non, c'est pas vraiment pote. Mais c'était... c'était des triplés. J'avais les deux filles des triplés. C'était mes copines. Et il y avait le garçon. Bon, on était moins copains parce que bon, on se parlait pas trop, quoi. Mais... et lui, il avait été mis en travail de groupe... à un moment donné avec les deux. Et il était là, madame, enfin monsieur, je sais plus c'est qui le prof, mais pitié, je peux pas. Et il a vraiment été là en mode je ne peux pas travailler. Et le prof était là en mode bon, ok, je comprends. Même le prof était là en mode oui, ok, je peux comprendre. Et tout. C'était abusé, genre vraiment, c'était fou. Et je sais pas pourquoi, genre des fois t'as des odeurs corporelles comme ça qui sont vraiment très, 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 très fortes.
et que en plus l'odeur de tes vêtements n'aide pas, par exemple, bah, je sais pas, imagine que t'as beaucoup d'animaux chez toi, genre énormément d'animaux, et je sais pas, genre ils sont pas propres, ils font leurs besoins à côté, machin, limite ils pissent dans tes fringues, si t'as des chats qui sont grave mal éduqués ou quoi, bah ça peut arriver, tu vois. Donc ça fait de la peine, mais bon, vas-y, enfin, c'est un petit pour rien, quoi, genre, y a des gens qui puent, ils puent, quoi. Ça fait de la peine, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tu maques à la terre entière? Quoi? Ah, pitié, non, arrêtez avec ça, là. Venez pas faire ça chez moi, s'il vous plaît, c'est vraiment gênant, genre. J'ai pas le contexte, en plus, enfin, y a aucun contexte, arrêtez voir de venir chanter des trucs comme ça, là, pitié. On n'est pas sur TikTok, SV Pay. Merci bien. Ok, derrière, là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. On va continuer en blanc. On refait les dégradés, hein, toujours. Et jaune. Ah merde, il y avait une place derrière. Shit! Sentez rien. C'est en fin de journée, du coup, nos fragrances sont évaporées. Peut-être, en vrai, hein. Tant mieux, alors, si je sens rien, ça veut dire que je pue pas. Ça m'arrange. Hop. Salut, Jenny, comment ça va? Et là, c'est censé être quoi? La rose, je crois. Si j'ai pas de conneries. Non, c'est bien ça. Ok. Ok. Alors, tac. Bah non, c'est pas ça. Ah, c'est une blanche. Et seulement derrière, c'est une jaune. Voilà. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Oni. Oh non. Oni. 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 Je suis canée, Lolo. On va aller chercher une blanche. On va la mettre en haut. Pop, pop, pop. On court, on court. Piou, piou. J'ai encore du rose. Non, j'en ai plus. Ok, faut que j'en fasse un stock. Bandonnière. Oh, choqué de Sheima. J'ai donc cassé à l'aide. J'avais perdu la ligne, je trouvais plus. J'allais prendre une douche. Je vais leur. Vas-y, y'a pas de soucis, Kali. Bonne douche. Frotte bien. Oni, oni, oni. C'est moi choquée. Pourquoi t'es choquée? T'es chocobar, Sheima? Pourquoi t'es chocobar? T'as vu des stars aujourd'hui ou pas? T'as vu la star qui s'appelle Cam Cam ou pas? 06, tu l'as vu ou pas celle-là? Putain, j'aimerais trop la rencontrer. Non, c'est bon, Lolo, j'en ai encore plein. J'avais fait le stock et j'en ai encore pas mal, t'inquiète. Je suis carrément chocobar. Oh my god. Bah, c'est moi qui fraude. C'est moi qui dis frotte bien d'habitude. Ah non, moi je dis toujours frotte bien. Et les gens ils sont là en mode frotte bien. Bah ouais, nettoie bien quoi. Je sais pas. Y'a des gens ils trouvent ça bizarre que je dise ça des fois. Cam la plus belle, la chance. T'avais la superstar. Moi aussi je dis frotte bien. Putain, on est grave propre nous trois. Hein. On est trop là en mode on conseille les gens pour bien se frotter le corps quand ils se douchent et tout. On est trop. On est trop des bonnes personnes. Les chevilles de la personne, c'est. on est trop gentils, genre. On dit aux gens de bien se frotter, et franchement, trop gentil de notre part. Moi, je joue à LOL, fin de la vanne. Bah, attends avant de te doucher, alors, hein, parce que. LOL, quoi. Bande de trop gens propres, grave, choqués. Bande de trop gens propres, ça veut rien dire. De trop propres gens, genre. De trop propres genre.
Ça veut rien dire, encore pire. C'est, j'ai mal lu et en plus, ça veut encore moins. Ça veut encore moins dire quelque chose, c'est Emma. C'est un peu drôle. Espèce de gens propres. Frottez-vous la zézette tant que le savon ne vous pique pas. Nico, je vais caler. Putain, c'est chiant. Nico, putain. Pitié, dites-moi que vous avez la référence au minimum de ce qu'il vient de dire. C'est la ref, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est une maman qui fait un peu une vidéo des produits qu'elle va pas racheter. Et en gros, c'est une maman avec sa fille qui font ça. Et en gros, la mère, elle dit, alors ce savon, on va pas le racheter parce que ça lui pique la zézette. Elle lui dit ça comme ça dans la vidéo et elle a laissé ça. Et du coup, c'est devenu un mème d'internet. C'est super drôle. C'est tellement aléatoire en plus. Ça lui pique la zézette, du coup, on va pas racheter. C'est vraiment, cette ref, elle est géniale. J'adore cette référence, sachez-le. Elle me fait mourir de rire. Ah bah j'aurais dû mettre... On va mettre le rose ici alors, tant pis. Elle est trop drôle la ref. Et on met le blanc à côté. Normalement ici, parfait. Et là... Là c'est censé être du blanc. Je vais mettre une jaune ici parce que ça va pas sinon. Le prime de l'humour, cette époque, je te jure. Le pauvre gosse. Alors, je sais pas si... je sais pas s'il y avait son visage dans la vidéo. Je me souviens pas du tout visuellement. Je me souviens que du son. Humour vine sur nos yeux, vraiment. Oh non, ma grille. Putain. Contrôle Z, SVP. Contrôle Z. Clôture. Bon, je vais mettre une maman ours là. J'ai plus de maman ours. Oh, quel dommage. J'ai que des bébés. Tant pis. Ce sera un bébé. Et là, je peux remettre un bébé? Bah non, je peux pas remettre de bébé. I'm so sad. Bah non, pas de bébé. Un bébé ici? Un bébé. Un petit bébé. Et un petit pied de jacinthe. Hop. Le même. Attendez, je vous fais... Merde, je vous fais écouter. J'espère que ça va pas être trop fort le son. Désolé, préparez-vous à baisser le son si jamais. Plusieurs parfums. Alors ça, pareil, c'était à Yuna. Hein, c'est Mixa Expert Peau Sensible. Donc c'est un très gros contenant de 750 ml. Pour peau sensible et réactif bébé. Mais en fait, il était pas très bien parce qu'il te piquait, hein, c'est ça ma chérie. Il lui piquait la zézette. Il lui piquait la zézette, donc non, on ne le rachètera pas. Voilà la ref. Super drôle. C'est tellement genre bon enfant, tu sais, la maman, elle fait juste un truc, on dirait, elle fait ça pour... Enfin, qu'elle montre ça à sa sœur, tu sais, à sa tante, ou je sais pas, tu vois. Bref, c'est super drôle. Voilà, la ref. Il lui piquait la zézette, quoi, donc heureusement qu'elle l'a pas racheté. Voilà. Comme elle le dit, je vous jure, c'est trop drôle. La pauvre. Et il y a bien son visage dans la vidéo, la pauvre, en fait. Donc, bon. Voilà, quoi. Est-ce que je peux toujours pas mettre de plantes, là? Je pense qu'il faut que j'en mette... Et ici, il faut que je remette la maman, genre. Maman ours. Ah, faut que je mette un bébé, là. Je vais mettre un petit baby, en fait. Un petit baby. Comme Justin Bieber. Oh, la ref est terrible. Oh, c'est un peu la même couleur, ça va pas trop, ça. J'ai encore un papa ours, normalement. Et ça, c'est quelle couleur, le baby ours? Oh non, pas tous les mêmes, pitié. J'ai pas de zézette. Ah bon, Lox? Trop bizarre. Je pensais pourtant.
Je pensais. Imagine ta pote, elle te dit ça. Ah bah je pensais, je comprends pas. C'est la fille qui dit ça, oui. Bon après, elle est... c'est une enfant, elle est innocente quoi. Elle sait pas, tu vois, je pense. Elle est juste juste là, dans la vidéo de sa mère. Ouais, c'est tout. La mère qui a publié ça quand même. Enfin bref. Petit nounours. Ok. Alors je te confirme, Cohen, que je n'ai pas de zézette. Mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est Ayame qui a dit ça. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai cru que c'était Lox qui avait dit ça, mais non, c'est vraiment Lolo. Dans tous les cas, vous n'avez tous les deux pas de zézette, donc... Le mot zézette, il est un peu drôle. Hein. Une petite zézette. C'est un peu marrant, le mot. C'est un peu terrible. Bon, on va mettre un petit ours ici, tiens. Enfin, un petit ours, un papa ours. Non, moi, j'ai un zizi. Bah, ça y est, lui. Oh, merde. Ça suffit, oui. Oh. Tout de même, des mots de la sorte sur le live. Ça devient gênant, un peu. Je suis d'accord, je te l'accorde. Je te l'accorde, finalement. Bébé ours. Il est quelle couleur, celui-là? Il est clair, je crois. Il est clair, ok. Ça passe. Il y a mon bébou d'amour de toute ma vie entière que j'aime. Salut! Ça va, mon bébou de ma vie entière que j'aime? Meuf chiante. Un bazouzou, comme dirait Voli. Non, je pense que c'est pas nécessaire. Un bazouzou, putain. Bref, n'écoutez pas ce que dit Voli des fois. Hein. C'est pas nécessaire, je pense. C'est écrit Voli. Bois de l'eau, gouttelette. Aïe, aïe, aïe. Papa ours, on a quoi comme couleur? Papa ours, on va remettre un rose par ici. Et on va reprendre un bébé... Allez, on va reprendre ça. Merci pour le avoir. Ah bah, il fait speak. Bref. Trop petit pot. Je vais têter de un jour. Oh my god, au secours. Alors, je pensais qu'on aurait le temps de passer sur... sur Akomon, mais... Enfin, plus le temps passe, plus je me dis que j'arrêterai après la zone-là. Parce que je suis dans cette zone-là, du coup, je me dis que bon. Elle est meurtrière. J'en profite grave, tant qu'il est pas là, sinon il va m'engueuler. J'en profite du fait qu'il soit en train de déménager. Il va m'engueuler, il va dire « Tu casses pas les cailloux !» Non, tu cut pas. Ok, je cut pas. Ok, c'est bon, Shaima, elle a dit non, tu fais pas, donc je fais pas. C'est bon, j'ai dit que je faisais pas. Voilà. Bah, arrête d'en profiter. D'accord, pardon. Je suis sorry. T'inquiète, Lucas, sur TikTok. T'inquiète, c'est normal. J'espère que ça va bien. Lucas qui débarque sur TikTok qui dit « Pourquoi j'arrive sur un live, j'entends ça ?» En parlant de Zizi et de Zizette, quoi. Bon pauvre. J'avoue, tu débarques sur le live, t'entends ça, genre. Désolée aux personnes outrées dans le chat. Désolée. Vous êtes des petites natures quand même. Il y a Nico, il écrit des bêtises avec Wisebot. C'est quoi la chanson Bollywood? Bah j'ai dit c'était le surnom de Zizi dans Titeuf. Bah, ça s'appelait Zizi dans Titeuf. Avec un E à la fin. C'était Zizi avec un E. C'est vrai, t'imagines, ta petite sœur, elle s'appelle Zizi, quoi. C'est quoi son prénom? Parce que c'est son surnom, Zizi, je crois. Elle s'appelait genre... Comment elle s'est appelée? Éternuer. Merci à moi-même. Suzy, son prénom. Du coup, c'est Zizi.
Merci, merci. Merci, merci, merci. Oh là là, vous êtes... vous me régalez, là. Atechoum, merci, Gabriel. Atechoum, c'est mignon. C'est mignon. Et merci d'ailleurs, Kali et Boubou, je vous ai pas remercié pour vos follow. Merci beaucoup. Je les ai pas entendus. Je viens de le découvrir, c'est vrai? Vous saviez pas? Bah, c'est Suzy, son nom, d'où le surnom Zizi. Mais c'est comme Bart, Lisa, Maggie, hein. Maggie, c'est Margaret. Lisa, c'est Elisa. Bart, c'est Bartholomé. Marge, c'est Marjorie. Et Homer, c'est Homer. Pas d'excuses. Go appeler Suzy dans SNH Zizi. Bah, franchement. N'hésitez pas, hein. Je pense qu'elle va adorer. Il y a un moment donné, je crois, il y a un truc dans les Simpsons où, genre, je sais pas, il y a un des enfants qui meurt dans l'histoire, dans un truc d'Halloween ou je sais pas quoi, là. Et sur la tombe, je crois que c'est Bart, c'est écrit Bartholomé. Voilà. Finalement. Salut Cici, comment ça va? Comment ça, Bart, c'est pas son blaze? Bah non. Après, si jamais vous ne saviez pas, le nom de la famille des Simpsons, c'est le nom de la famille de Matt Groening, le créateur des Simpsons. Lui, il s'appelle Matt, et il voulait que ça fasse un peu... il voulait changer, donc en fait, Matt, c'est censé être Bart. Sa sœur s'appelle Elisa, donc Lisa. Son père s'appelle Homer. Sa mère s'appelle Marjorie. Et sa petite sœur s'appelle Margaret. Voilà. Il a fait sa famille dans son propre truc. J'ai regardé la vidéo de Sofiane sur l'histoire des Simpsons, et bah, j'étais étonnée. J'étais là en mode, waouh, jure. Ça m'avait grave étonnée, et franchement, je vous la conseille. Je sais pas si vous connaissez Sofiane, il parle beaucoup de séries, de films et tout. Si jamais, n'hésitez pas à les regarder, il y a plein de trucs hyper intéressants dessus. Déjà, je crois que j'ai même pas fini la vidéo. Mais t'en apprends vraiment beaucoup sur les Simpsons en général. Franchement, let's go, allez la voir, hein. N'hésitez pas. Hein. Mais ouais, mais du coup, dans la série, il y a des moments donnés où ils font un rappel de leur prénom, mais c'est assez rare en vrai. Et ça me fait un peu rire parce que c'est censé être genre leur surnom. Et à aucun moment, tu vois, dans les livrets scolaires, c'est autre que Bart. Genre, c'est pas Bartholomé, c'est vraiment écrit Bart. Donc, tu sais, quand Bart il fouille dans les trucs de Skinner, là, tout le temps, bah, c'est juste écrit Bart, c'est pas écrit Bartholomé. Donc, forcément, genre, des fois, ça porte à confusion parce que tu le vois écrire d'une manière et puis bah, tout le monde l'appelle Bart, tu vois, genre. On dirait sorcellerie des fois tellement ils prédisent trop réellement l'avenir, je vous jure. Après bon, ils font tellement de trucs et ils disaient qu'ils avaient une équipe scénaristique de zinzin derrière les épisodes des Simpsons. Un épisode, ils disaient que c'était 6 mois de production pour un seul épisode. C'est énorme, hein, pour un épisode de 20 minutes. Bartholomew J. Simpson, peut-être, ouais, il y a moyen en vrai. Il y a grave moyen, franchement, Amandine. 6 mois, ouais. Bah pour l'écriture du scénario et tout, hein. C'est super super long. J'ai posté les photos de bébé chien sur Discord. Plot twist, je suis aux anges, il est parfait. Oh my god. J'y vais deux ce pas dans animaux. J'ai pleuré. Oh petit bébé. Oh non mais attends, mais la mignonnerie. Oh non, tu nous enverras des photos tous les jours, pitié. Oh non, il est adorable, il est adorable. Il s'appelle Blue, trop mimi. Oh la bouille d'amour. La bouille d'amour, il est trop mimes. C'est trop beau les border collies, j'adore. J'avais, enfin... Moi j'ai grandi avec des border, enfin avec un border collie. Il s'appelait Scott. Parce que ma maman, elle est, pendant 20 ans, elle a été ouvrière agricole. Elle a travaillé dans la ferme de ses frères. Et le chien de ferme, c'était un border collie. Il s'appelait Scott. Et c'était vraiment un amour, ce toutou. Genre, il faisait peur de fou aux gens qui le connaissaient pas. Parce qu'il était un peu pas agressif, mais genre, il pouvait grave l'être. Et avec nous, il était trop gentil. Genre, vraiment, il nous aimait trop. C'était un amour. Bon, il puait de fou parce que du coup, il allait traîner dans la bouse de vache et tout, mais c'était un bon toutou. Puis voilà, il s'est fait écraser par un tracteur. Les chiens de ferme, be like, pauvre loulou. Sympa. Et c'était en plus genre vraiment quelques semaines, genre quelques jours même, je pense, après le décès de mon chien. Donc j'étais trop triste, quoi. Vraiment la chute, je te jure, horrible. Voilà, enfin oui, il s'est pas fait écraser en entier, genre en fait il s'était fait...
Même pas roulé vraiment dessus, genre c'était juste. Enfin, il y avait la roue du tracteur qui l'avait genre heurté, je crois, ou presque roulé dessus, et il avait genre le bassin fracturé, et c'était irréparable, et ils ont préféré le faire piquer parce qu'il devait trop, trop, trop souffrir. Donc, ils ont dit, on le laisse partir, on peut pas, là, il souffre trop, c'est horrible, quoi. Ils ont bien fait parce qu'il allait peut-être pas s'en remettre, il allait douiller et tout, pauvre loulou, donc. Ça fait trop de peine, mais. Il était assez vieux quand même, hein. Enfin, il était assez vieux, il avait quoi? Il avait genre 9-10 ans. Ça va, mais. C'est la vie, quoi, petit loulou. Enfin, bref. Voilà, voilà. Mais c'était un bon chien. Les border collies sont fidèles comme tout. C'est des amours, vraiment. Des amours d'amour. Oh, Zoruba. Elle est trop mignonne. Oh, le perroquet. Oh, Locke, c'est un oiseau. Locke, c'est un oiseau. Oh, n'hésitez pas, évidemment, à mettre vos animaux sur le Discord. Ma passion de les regarder, je vous jure. Gouttelette. Merci, Emma. Merci beaucoup. Elle est adorable, Zorua. Elle s'appelle comment, Zorua? Locke, c'est un oiseau. Oiseau. Locke, elle adore les perroquets. Enfin, les perroquets. Perruche, non? C'est pas un perroquet. Oiseau. C'est une perruche, non? C'est pas un perroquet. Je sais pas, bref, un oiseau, quoi. Oiseau. Oh, l'oiseau. Il est où l'oiseau? Sur le serveur Discord, Lox, dans Animaux. Va voir l'oiseau. Oh, l'oiseau. J'ai mis trop Lox tout le temps avec son oiseau. Je pense que là, on peut même faire un petit truc en mode hop, hop, hop. Il y a des perruches à Paris, j'ai appris cette semaine. En mode des oiseaux qui volent? Dehors, genre? En mode pigeon, mais mode perruche. Oh non, bah lui. Oh, Nico. Il est beau ce chat tout blanc là. Oula. Oh, je regarderai tout après le live là. Petit loulou. Oh, mais j'ai trop beau l'oiseau. C'est l'ami. Oui, c'est l'ami. Il vaut bien tes autres oiseaux. Tes oiseaux. Ils supportent bien. Oh, l'oiseau. L'Oxpy like, voir un oiseau et dire oh, l'oiseau. Ils prolifèrent depuis qu'ils se sont enfuis de l'aéroport d'Orly suite à un accident. Eh ben, c'est mieux que des pigeons. Franchement. Je préfère avoir des invasions de perruches plutôt que de pigeons. Coco et Luna vont bien. Bah, tant mieux alors. Ça, c'est une bonne nouvelle. Papa ours. Coucou Mathilde! Le zbul dans la faune locale. Ah, bah alors non, pas ouf alors. À ce point-là? Bon, vous savez, hein. Petite perruche. J'ai pu profiter pour montrer mon chat qui est slave, t'as bien raison. Oh non. Oh le toutou! Oh, Beagle, mais vraiment. Oh là là, l'amour. Aria, trop bien. Ils sont beaux, vos animaux. J'aimerais bien vous spammer avec des photos de mes animaux, mais j'en ai pas. La question est vite répondue, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu compliqué de vous montrer quelque chose que je n'ai pas, finalement. C'est un peu galère. J'adore les migales, c'est vrai? T'en as une ou pas? Ça fait peur. Il y a plein de gens qui ont trop trop peur des grosses araignées comme ça. Moi, je comprends. C'est pas si évident, quoi. Je vais mettre un autre piquetron, là. Phobie, c'est vrai? Je comprends. J'avoue que je serais pas à l'aise non plus devant, quoi. Tu me la donnes pas dans la main, quoi. Non, merci. Il campe à ta fenêtre. Qui campe à ma fenêtre? Les animaux? Quels animaux? Oh non. Du coup, il peut envoyer 70 milliards de photos tellement il a de chats. J'adore. J'ai mis ma vie, je vais en Australie. C'est vrai que les grosses araignées d'Australie, là. Oh là 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 là. Moi, je suis comme sur le canapé. Normal, t'es trop ma femme. Mais bon. Trois petits points. Je vais mettre... ça. Et... feuillu.
Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai encore un bébé ours. Et j'ai encore deux bébés ours. Bon, on va mettre un bébé ours ici. Et là, on va remettre un là. Hop. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? On a des poufs marocains et un pouf marocain. Bah, c'est superbe. Découvert une nouvelle source en Australie, c'est vrai, Maya? Oh la vache. En vrai, j'avoue, l'Australie, j'aimerais trop aller voir, mais... Les scorpions, les mygales, les grosses araignées, les kangourous. Il y a plus de kangourous, apparemment, en Australie que d'êtres humains. Voilà. Apparemment, c'est un fait avéré. Il faudrait peut-être qu'on mette des fleurs ici. C'est vraiment ma star, mais t'as vu? Normal, en même temps, attends quand même, Aria. Il peut faire sa star, hein, si tu peux me permettre. Il peut faire sa star. La fête qu'il m'a fait. Oh, petit loulou. Go, allez, en Nouvelle-Zélande. Bah, la Nouvelle-Zélande, c'est pareil, en vrai, non? Là-dessus. Salut, Kirby! En Australie, il y a toute la nature qui veut te tuer de fou. Même les arbres, ils veulent ta mort, genre. Après, je crois que dans le monde... Je suis désolée, ça clignote. Je pense que c'est parce que j'ai bougé l'ordi. Faudrait que j'éteigne tout et que je rallume tout. Dans le monde, et même en France, je crois qu'il y a un arbre. Tu le touches, tu meurs. Je sais plus comment il s'appelle, mais genre, il produit genre une sève et des spores et tout. Tellement... tellement forte qu'en fait, il te tue, genre. Il t'asphyxie, je crois. Et si tu le touches, ça rentre dans ton sang et tout. Il y a un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi. C'est sa sève, je crois, ouais. Et il produit beaucoup de sève, où il y a un truc du style. Les abeilles, ça va. Les guêpes, par contre, les guêpes, non. Les guêpes à LED. En vrai, il y a des insectes. Si l'insecte n'existe plus, genre, par exemple, les punaises. Si les punaises, ça n'existe plus, est-ce que ça change quelque chose à la faune locale? Ou en général. Pas vraiment. Les guêpes. Les moustiques. Est-ce que ça change vraiment quelque chose si on a plus du tout... Les abeilles, oui. Là, les abeilles, faut aller se faire foutre. Laissez les abeilles tranquilles. Excusez-moi. Hein. Mais c'est vrai que le reste... Le mancenillier. Je crois que c'est ça, ouais. Il y a un truc comme ça. Oh, comme. Oh non, il est trop mims. Oh, aussi là. La petite Neila, trop mignonne. Oh non. Oh, Vanelza. Il est 17 ans. Oh là là, le pépère. Oh, sa tête en mode Kesta. Ils sont beaux. Oh non. La blonde, le toutou. Dans la gueule. Nico, vraiment, par contre, les photos de tes chats dans les caddies, je peux canner de rire. Ils sont trop drôles, genre. Comment il s'appelle le petit loulou que t'as mis là dans le caddie? Il est adorable. Il est adorable. Salut Adri, comment ça va? Bah, bienvenue à toi. Et merci à Duas pour le follow. Et salut Victoire, j'espère que vous allez bien. Salut Moshi aussi. T'as toujours l'air énervé, poulet, c'est vrai, la bouille qu'il a, il est adorable. Ils sont beaux, hein, purée. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites photos, si un jour vous prenez des belles petites photos d'eux. Au petit loulou, là, mettez-les nous sur le Discord. Hein. Oh non! Oh, Lox, les oiseaux! Lox, il a mis les oiseaux. Oiseaux. Elle est grande, leur cage, hein, purée. Tu sais qu'il est, c'est ça la beauté de la nature, mais aussi, du coup, oui, les moustiques, ils sont importants, même dire. Bref. Et merci, Adri, merci, Nos, pour vos follow. Merci aussi à Ragnox, j'avais pas remercié, je crois. Oiseau. Chachouka. Oiseau. Ah là, les petits loulous. Hein. Faut dire ce qu'il y a, il y a vraiment des animaux, ils sont trop beaux, genre. T'as des animaux, bon, vas-y, tu t'en passerais large. Sans compter l'hippopotame, le crocodile, le buffle. Ils sont tous en Afrique. Alors, qu'est-ce que t'avais dit? Hop.
J'ai déjà fait ça, Patin, j'en ai déjà sur mon profil. On parle des animaux en Australie, en attendant les serpents les plus venimeux du monde. Le mamba noir vit en Afrique et l'animal le plus redoutable au monde il vit absolument partout, le moustique. C'est vrai que les moustiques, c'est des sacrés bâtards. Hein. Pardon. Hein. Excusez-moi. Mais les moustiques... Oh la vache, ils peuvent te transmettre des maladies de zinzin. Genre, je pense qu'on se rend pas compte. Hein. Ça te transmet des trucs, mais des dingueries. Hein. C'est une folie, franchement. Hein. Trop beau les serpents, t'aimes bien toi Jade les serpents? Ma mère elle serait là, elle s'évanouirait je pense. Salut Kamel. Le Discord c'est pour l'exclamation Discord. Tu pouvais dire s'il te plaît aussi, si jamais. C'est une règle de politesse qu'on apprend en maternelle normalement. Voilà. Alors, on va poser le débarras et on va regarder ce qu'on peut mettre devant chez Cédric pour que ce soit slay. Pas des coups de pelle apparemment. Je voulais déjà remplir ici avec du jaune. Et là je voulais remettre le papa ours qui est là. Oui oui Discord c'est gratuit bien sûr. Bien sûr bien sûr. Bien sûr bien sûr. T'as des options payantes dessus, enfin sur l'application mais Discord en lui-même oui est gratuit bien sûr. Ouais, j'ai fait Annie, bien sûr, attends quand même. Salut Lovzy, comment tu vas? So coquette today, hein, si je peux me permettre. Les couleuvres vertes. Il y a des petits serpents, ouais, les tout petits, ils sont trop mignons, je trouve. J'avoue qu'il y en a certains que je trouve très mimes. Ils ont une bonne bouille, genre. Et c'est vrai que les plus gros serpents. Je suis moins. Pas très fan. Une fleur là? Ah ouais, ok. Ok! Je suis naps en fait, ok! Pourquoi 13 ans? Bah, parce que 13 ans. Parce que c'est l'âge minimum requis pour être sur Twitch, pour être sur tous les réseaux sociaux. Et Discord c'est 15 normalement. Nico, petit loulou dans le caddie, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre devant chez Cédric? J'aimerais bien déjà lui mettre un truc en mode banc. Oh, on peut lui mettre une petite table. Et j'ai des trucs normalement. J'ai encore un pouf marocain, écoutez. Lilou, non. Désolée, mais non. J'en ai marre de devoir régler ça. Déjà comme je t'avais dit son compte n'est pas marqué comme banni chez moi mais j'ai trouvé un autre compte à elle banni chez moi et elle l'a mérité son ban donc c'est un non. Je suis désolée mais c'est non. Au bout d'un moment j'ai beau avoir regardé, cherché partout, j'ai pas d'explication, le compte que tu m'as fourni il y a rien, elle a jamais parlé, elle est pas follow. Par contre j'ai trouvé un autre compte à elle et là ouais elle a mérité carrément son ban en fait donc je suis désolée mais non. Elle a forcé, elle a pas voulu respecter le règlement, donc c'est un non. Enfin bref, et moi je cherchais quoi? Je cherchais des trucs pour décorer la maison de Cédric. Ah, on avait dit des petites tentes. Alors je sais pas si ça va bien le faire, hein. On va regarder. On avait dit des champs de blé aussi. Quitte à voir si je peux pas mettre un silo en plus. Salut Griga, merci pour ton follow. Alors... Les rochers, pourquoi pas? J'en ai quelques-uns encore, faudrait qu'on en replace. Hein. Bah, je mets dans mon entrepôt pour stocker. Faut que t'agrandisses ta maison et t'as plus de place dans, dans l'entrepôt. Il n'y a pas de son de jeu. Ah, si, c'est bon. Je t'entendais plus. On va reprendre ça quand même. On va déjà voir avec ce qu'on a. Hop. Et on va faire. Là, on va faire... on va faire ça. Oh, ils sont trop mimi, vos loulous. Ils sont adorables. Hop, hop. 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 Et ça va pas passer, là, si? Bah si, ça passe.
Ça va être juste un petit peu... Alors, attendez, je me concentre un peu. On va aller tendre la table ronde. C'est Mims. Je vais mettre un petit pouf marocain ici. Ils escaladent partout tes chats, Nico. C'est trop drôle. Chant de céréales, tiens, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Ici, why not aussi. Chant de céréales. Et Rocali. Trop une star, celle-là. Fou, c'est énervant. Trop énervante, la Kali, là. Est une star, ça me saoule. Bref. On peut faire ça. Je vais pas fermer. Pas de pétale, chemin, silo. Muguet. Et si là je mets. Alors, pouf marocain. J'en mets deux. Non, qu'un seul. Comme ça. Le silo, on peut le mettre derrière. Attendez, j'essaie de me concentrer. Hein, désolé si je vous lis un peu moins. Ninja Warrior. Je ne suis pas con, vous. Oula. On va mettre ça comme ça. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. J'ai rien compris. Ouais, les ours, c'est cool en vrai, Mimi. Bon, vous me direz, je regarderai après. Ah, alors, Rose, on a pensé quoi? C'est trop cool à faire. C'était trop cool. On fera plein de petits concepts comme ça. Je sais que Harry, il a plein d'idées. Je suis la participante number one. Je veux tout tester. Mais je peux pas mettre ça bien, genre là. S'il vous plaît, quoi, pitié. Let me just put my champ de blé ici, en fait. Voilà, merci. Quand même pas compliqué. Ah, merci. Belle belle hydratation à tous. Aucune idée, Jolan. Quand j'aurai tourné, mais vu que mes semaines se ressemblent toutes en ce moment, c'est pas très... C'est un peu nul, quoi. Ah bah, moi aussi, Annie. Les 10 millions de clochettes, ils m'ont mis bien, franchement. C'était plutôt intéressant, en effet, en effet. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà. Locke, c'est quoi ta pépé? T'as mis celle avec le masque? Putain, il est terrible. Vraiment, les yeux, ils sont là-haut. Genre. Oh my god! Regardez, il y a la superstar! Mais je sais lire! Ah, il vous a vu! Il vous a spotted! Il est trop fort. Il est trop fort. Spotted! Il vous voit. Ah, punaise.
Bon, ça, en vrai, je peux y aller en sautant. J'espère que ça va bien. Quand même. Alors, attendez, tente pour enfant. Faut une rose, en fait, ici, non? Pour que ça... Je rote, pardon. Que ça ressorte bien. Encore une fois, je dis une rose. Encore heureux. Celle-ci, je crois. Ouais. Alors, ok, mais motif au sol. Motif, motif. Saute et saute les pieds joints, petit ours brun. Tape, tape dans tes mains. Petit ours, petit ours brun. Je détestais Petit ours brun quand j'étais petite. Je crois que le dessin animé me faisait peur. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous avait le même ressenti vis-à-vis de Petit ours brun, mais je n'aimais pas du tout ce dessin animé. Il me faisait peur. Je vous jure, ouais, je vous jure, c'est vrai. L'intro trop tout le week-end avec mon filleul. Mais l'intro trop, c'est trop bien. Il était trop mimi, le nounours. Ben, je sais pas, moi, il me faisait peur. Genre, franchement, j'avais l'impression qu'il me regardait trop mal et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'aimais pas du tout le petit ours brun. Genre, j'aimais pas. Il me faisait peur. Ah, les Teletubbies, ouais, je comprends, en vrai. Je comprends, quand même. J'avoue que... C'est particulier, les Teletubbies, hein, honnêtement. C'est particulier. J'ai bien regardé, je crois. Ah, c'est possible que ça passe pas, ouais, en Belgique, en vrai, Vanessa. Hein. C'est possible, franchement. En vrai, c'était un truc qui existait déjà depuis pas mal de temps, quand ça passait, nous, à la télé, je crois. Mais je sais pas comment dire. En fait, il me faisait peur, hein, franchement, honnêtement, juste, il me faisait peur. J'ai pas d'autre explication. Martin Mystère, moi je regardais pas, mais mon frère regardait. Je me rappelle mon frère qui regardait ça, ouais. Je sais qu'il regardait, il aimait bien. Oula, j'ai bugué là. Petit ours brun. J'aimais tellement pas. Non, ma clôture. Shit, here we go again. Alors. Alors, pensez à lire le règlement, s'il vous plaît, et arrêtez de remettre en cause les décisions des modérateurs ou de poser des questions sur les décisions qui ont été prises. Merci bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? J'ai quoi d'autre, là? J'ai peur. Poste pas! Merci à tous de ne pas reposter vos messages. S'ils sont supprimés. Pourquoi je parle comme ça? Terrifiant. Ouais, alors on en a parlé vite fait sur le serveur Discord des Totally Spies qui font leur comeback d'ailleurs là. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous en pensez des nouveaux graphismes, du nouveau générique. Je crois que c'est Numap qui avait mis dans Culture, je crois. On avait parlé si jamais vous voulez aller voir. Je trouve le générique à chier. Voilà. Mais graphiquement, ça va. En fait, ça me choque pas non plus tant que ça, puisque... Vous savez, genre, les Totally Spies, ça avait un style depuis déjà des années. Mais en fait, maintenant, vu qu'il y a tellement... Il y a peut-être genre 10 ans, même plus de 10 ans qui se sont passés entre les premiers épisodes et maintenant. Donc moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'ils aient changé les graphismes. Ça rajeunit un peu le truc. Je trouve ça sympa et c'est vraiment cool, en vrai. Mais la musique du générique, elle est à chier. Oh là là, mais à chier. Je vous fais écouter, en vrai, si vous voulez. Et j'étais là en mode, mais... Hein? Attendez. Divers, donc culture. Ce passage. Mais pourquoi tu cries, genre? C'est nul. Vraiment pas bien. Je trouve ça horrible.
Et du coup, je suis déçue. Je suis un peu triste parce que le générique, ils auront jamais genre « Here we go ! Here we go ! » Ils auront pas ça, genre, les enfants de nos jours. Ça, c'est triste, en vrai. C'est nul. Sinon, c'est nul. Faut dire ce qui est. C'est nul à chier. Voilà. Voilà, je dis les termes, hein, je me permets. C'est nul. Pas fameux, quoi. Imitation d'une rhino-pharyngite de Maria Carré, un peu. Bon, oser changer notre générique. Après, pour ça, je comprends. Le générique, il y en avait déjà plusieurs, hein, de base. Hein. Dans les Total Spice, dans les différentes saisons, il y a 3 ou 4 génériques différents, déjà. Je sais pas si vous saviez. Mais il y avait des génériques avec paroles et il y avait des génériques sans paroles. C'était juste de la musique. Et ça nous a un peu moins marqué, normal, du coup. Quand il n'y avait pas de paroles, je veux dire. Mais c'est vrai que là... En fait, c'est, je suis dépitée, genre de générique, là, il est un peu nul à chier, quoi. So sad, but voilà, c'est là, donc on fait comme on peut. On fait comme on peut. Dam, 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 dam. Un lot de jeunes pousses. Non. Ventilateur anémone. Non plus. Bah juste ça. Oh là là, arrête de crépiter le jeu là. Oh, il croustille là. Le jeu il croustille. Ça me semble pas mal en vrai comme ça. Faudrait juste qu'on regarde un peu plus. Mais en vrai là t'arrives dans la zone un peu avec les gros nounours là. La colline aux nounours. Oh, ça peut être la colline aux nounours. C'est mignon, non? Faudrait juste qu'on termine la zone là-bas. Du coup. T'as la colline aux coquelicots, t'as la colline aux nounours. Hop. Faudrait juste qu'on finisse ça, du coup. Un normal, Tessie. Un message supprimé. On ne reposte pas. Bien dit, bien dit. Hop. Il y a quoi en bas là? Il y en a encore ou pas? Un message supprimé. On ne reposte pas. Petite musique sympa. Et je pense qu'on va remettre... Alors, on va juste devoir... Je suis désolée pour les cailloux ici présentement présents. Bye. Oh non, je pense que t'inquiète, Tessie, y a pas besoin. Non, pas ça, je suis so sorry. Sorry, Zoria. But I have to do this thing. But tu peux tourner la tête, tu verras pas. Tu connais Pedro? Bah bien sûr qu'il connaît pas Pedro, les gars. On connaît tous Pedro. Obligatoire de connaître Pedro. À 6h du matin, patin. Voilà. L'heure est déclarée. L'heure est déclarée. On va mettre ça. Ça, il m'en faut hein, des roses. Quoique, on peut reboucher là, attendez. J'ai peut-être une idée pour être un peu plus pratique et moins dans la merde. Voilà. Et hop les, voilà, on va pas se faire chier. L'heure est déclarée. C'est plus ça, Lolo. C'est coquette. Ah non, c'est bot, je crois. Quelle exclamation bot, non? Je dirais que je parle d'une bataille, genre l'heure est déclarée. Ah non. J'ai pas changé. Je vais mettre point d'exclamation bot. Je vais changer tout de suite. C'est chiant, coquette. Bot, c'est plus rapide et c'est moins con. Bonne idée, n'est-ce pas?
C'est bon, c'est bot. Patin, je stream tous les jours de la semaine. Bien sûr que je fais des streams cette semaine. Faut que je vous fasse le planinge d'ailleurs. Hop les. Ah pas du tout, j'ai pas du tout dit ça, Béra. J'ai pas du tout dit ça. J'avais dit tout à l'heure au début du live que après Mirabel, quand j'aurais fini le cours, mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, là, ça veut dire 4h17 que je stream, j'avais dit que j'irais sur Akomoun et que j'irais faire du 100%. Sauf qu'en fait, j'aurais dû faire du 100% il y a déjà plus d'une heure et demie, tu vois. Donc, voilà. Ah pardon, j'avais pas compris que c'était du second degré, désolée. Mais sinon, non. Ok, c'était pour les 6 heures. Ok, je viens de comprendre. Désolée, j'ai trop répondu premier degré. Hop là. Bon, ce coin-là, on le refera plus tard, du coup. Je suis dubitative. Je vais juste peut-être clôturer ce côté-là, en vrai. Au moins ça. Puis le derrière, là, on retournera dans le champ, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ça va, alors c'est pas grave. Salut Mathilde. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit... Alors, je pense qu'ils comprennent rien quand on parle. Sur YouTube, sous ma vidéo d'hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, en gros, ouais, ma meilleure pote, elle m'a dit, tu détestais... genre, ta commu sur TikTok. J'étais en mode, quoi? J'ai jamais dit ça. Et vraiment, genre, ils ont tout compris de travers. Je pense qu'ils ont dû venir quand on parlait d'une discussion de... Je disais en mode, je déteste les gens de TikTok. Genre, leur mentalité, comment ils taclent les gens, etc. Parlant des gens de TikTok en général, genre. Ils ont tout déformé. J'étais là en mode, hein? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas compris, je crois. Je suis dubitative à ce sujet. Je ne pense pas avoir dit que je détestais les gens de TikTok. Je ne pense pas avoir dit ça. Ah, c'est pas mal, en vrai, le petit jardin comme ça, là. Ça rend vachement bien, en vrai, là, derrière. Je sais pas comment j'allais pouvoir diviser les deux, là. Mais je trouve ça cool et quand on passe là, ça fait... c'est assez sympa, ouais, derrière, je trouve. Et là, j'ai... Si, j'ai un arbre. Est-ce que... Allez, attendez, je vais aller le mettre. On va rechanger 2-3 petits trucs. Salut Malak, comment ça va? Manque d'une pompe à eau. Tu trouves? Bon, après, ça, on pourra mettre... un peu plus tard, je pense. Bon, c'est un arbre qui a plus de fruits, mais... bah, Pata, en fait, je sais pas... Ça sert pas à grand-chose, je crois, en vrai, que je les mette sur YouTube, parce que... Comment dire ça d'une manière ok? Les gens de YouTube s'en foutent. Voilà. Dans les dramas... Oh my god, hashtag drama Cohen. Bois de l'eau, gouttelette. Elle a dit que les gens de TikTok étaient méchants, c'est vrai. Merci pour le à boire. Attention, je parle pas des gens de ma commu, je parle des gens en général. Ils sont trop vicieux, genre. Je les déteste. Eux, je les déteste, c'est vrai. J'avoue, je le dis. Qu'elle déteste sa communauté. Voici tous les faits en détail. Un reportage présenté par Gab, BRG. Koan chez Disco in the sauce. In the sauce. Merci Kali pour tes bits. In the sauce. Est-ce que sur Twitch... De quoi? Est-ce que sur Twitch quoi? Ou est-ce que c'est que sur Twitch, tu veux dire? Attends, reformule-moi, remets-moi dans le contexte. Quelle est la question? Je l'ai plus. Merci, salut Evil Caro, comment ça va? Et merci Ness pour ton follow. Le follow. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. T'as la colline aux nounours, elle est pas mal en vrai, j'aime bien. C'est Mimi. Il y a encore plein de détails à rajouter, plein de trucs à mettre, des tas de feuilles, des tas de pétales de cerisier, mais j'en ai plus. Donc il faut que j'aille en rechercher ou que je refabrique là. Je sais pas si j'en ai encore sur mes autres îles, il faut que je regarde. Je pense plus que j'en ai, parce que je crois que c'est les derniers ceux que j'ai là, que je m'étais donné. Je crois que c'était les derniers, sinon j'aurais tout pris, j'en aurais plus, je pense. Vous savez que si je me faisais genre défoncer sur Twitter, je le verrais même pas tellement je ne vais pas sur Twitter. C'est un peu dommage, genre. Les gens ont perdu un peu leur temps, mais j'aurais pas vu les messages, donc... ça sera même pas blessant.
Et si je mets un truc de pouce là? Ou sinon, non, je vais mettre. Non, je vais mettre. Non, attendez, on va mettre ça. L'eau de jeune pousse. Ça n'a pas de sens que ce soit là, c'est Mimi, mais ça n'a pas de sens que ce soit ici. J'ai quoi là? Ah ouais, ça passe pas trop les tentes pour enfants. Bah tant pis, on va mettre une fleur blanche. Non, pas blanche. J'ai encore une rose, je vais mettre une rose. Merci Urfav, comment ça va? Bienvenue à toi. Bah ouais Gab, j'ai 500 000 cas dans ma poche, de fou. Attends, qui se trimballe pas avec 50 000, c'est 500 000 euros dans sa poche. Franchement, qui ne se trimballe pas avec autant d'argent? Honnêtement, je ne sais pas. The Little Company, oh ça va être marrant ça, Tessie. On peut acheter des pousses d'hibiscus. Je sais plus c'est quand. Les hibiscus, c'est pas genre vers l'été. Un truc comme ça. Sinon, tu regardes sur l'île de Joe. Hein. Ils vendent des trucs un peu aléatoires. Si, si, c'en était les hibiscus. On est d'accord. Attends, j'essaie de vous lire. Salut Maxime. Ah, t'as qui au camping, Tessie? T'as pas encore regardé? Ok. Je viens de voir un message qui répond. Super. Les questions sont vite répondues finalement. À partir de juillet, je crois. Ouais, c'est ça, hein, dans les eaux là. Ta routine sur Animal Crossing? Bah, j'ai pas de routine. Tu sais pas tenir. Je veux bien, hein, mais y'a rien dedans parce que j'ai pas de routine. Ouais, je pourrais faire une vidéo. Si vous voulez, franchement, je peux trouver un truc à faire. Mais après, j'avoue que j'ai du mal quand on. Quand ça vient pas de moi, c'est quand on me réclame un truc, j'ai du mal à faire la vidéo sur le sujet parce que ça vient pas de ma tête. Du coup, j'ai pas été inspirée pour. Là, faudrait que je me penche dessus. Je sais que vous êtes beaucoup, et franchement, vous êtes beaucoup sur YouTube à me demander des trucs de routine. J'en avais déjà fait, mais je sais pas quoi faire de plus, honnêtement. Parce que là, actuellement, j'ai presque fini mon île, tu vois. Donc la routine, je la fais plus depuis un moment. Mais il faudrait, hein. Routine, tournage de meubles, STP, c'est pour un pote. Ouais, si tu veux, regarde. Je peux faire une routine. Voilà, si jamais vous savez pas, mais faire une routine de tournage de meubles, c'est vrai que Lox, il fait bien de rappeler le sujet. La routine tournage de meubles, ça permet d'économiser grave des clochettes. Genre quand tu fais un tour d'un objet sur lui-même, ça te fait économiser genre 1000 clochettes sur un objet que t'achètes à la boutique. Voilà. Si jamais. J'ai adoré. Ah, pas de soucis. Salut Chippy, comment ça va? C'est une blague si jamais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Nico... Il ruine tous mes plans. Bon allez, bref. En vrai, là, on a fait une bonne partie. J'avais toute cette partie à faire. On en a fait quand même pas mal. Il faudrait que je recrafte des clôtures parce que j'ai besoin de ces clôtures-là. Et j'ai que des toutes grandes. J'ai pas les arrondies, là. J'ai les nouvelles, j'ai pas les anciennes. Je suis assez contente de ce que j'ai fait là. En vrai, c'est assez mignon. Là, il y aura des petits trucs. La maison de Cédric qui est ici, c'est cool. Maison de Nana qui est par là-dedans. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Franchement, ça va, hein. On a réussi à remplir tous les trous avec les fleurs et tout. Et ça bug pas tant que ça, tu vois. Quand on court, en vrai, ça passe. Il faudra juste qu'on meuble celle-ci. Et là, en vrai, je peux déjà mettre un motif, je pense. Bonjour, Chippy. Dites bonjour quand vous arrivez quelque part, bande de malpoli, va. Non, mais dis donc. Ça s'apprend la politesse tout de même quand on est petit, hein. Je vais pas vous faire un schéma quand même. Pas très cool. Débarras, vas-y, je sais pas. Bon, on fera ça plus tard. Allez, restez.